Salam alaikum à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est vous l'expert, une émission de la Gazette du Fennec et sponsorisée par le fameux Time Restaurant, rue de Popincourt à Paris, chez Samir, à qui on passe un très grand salam. Pour ce soir, j'ai la chance d'être entouré de chroniqueurs de renom. Monsieur Adlen, salam alaikum Adlen, comment tu vas frère? Alaikum salam, ça va très bien et vous, comment ça va? Ça va Bilal, bien? Très très bien, je te remercie frère. Alhamdoulilah, Yannis, salam alaikum, salut aux auditeurs, ça fait un petit moment. Des fois, tu sais, t'es pas là une semaine, t'as l'impression d'être absent pendant 6 mois. Et un grand salam bien sûr à Yanni qui nous fait le retour dans l'équipe, Yanni. Bah ouais, enfin, j'ai jamais fait encore d'émission avec C'est vous l'expert, c'est ma première émission et j'espère être à la hauteur. Normalement, ça va être bon. Les gars, après m'être fait tirer les oreilles, j'ai vu déjà les messages, hein, je ne vais pas les ressortir, mais j'ai vu déjà, il y en a pas mal qui ont parlé de mon micro et de tout ce qui pouvait se passer. On a investi, les gars, on a investi. J'espère, Inch'Allah, que cette émission, on va être tranquille. En tout cas, on essaye de rendre un rendu de qualité. C'est vrai, il est vrai, il y a d'autres messages qu'on voit. Alors, est-ce que c'était le sélectionneur qu'on va recevoir aujourd'hui? Malheureusement, il a annulé. Pour ceux qui ont suivi sur nos réseaux, il a annulé à quelques heures de la prise d'antenne. Donc, on était un peu dans le vif pour retrouver quelqu'un de qualité. Et on a la chance d'avoir normalement Charles Caboret qui devrait intervenir dans l'émission grâce notamment à monsieur Yanni Abdelli. Il arrive dans l'équipe tout neuf avec un cadeau, machallah. Bien évidemment, on va le recevoir normalement vers à peu près 20h30. Il a des petites obligations familiales et ensuite, il pourra être là avec nous, Inch'Allah. Les gars, on va commencer cette émission. C'est vrai que d'habitude, on commence les émissions avec la team DZ, il est vrai. Mais je pense que là, ce qui intéresse le plus les gens, c'est la liste qui est sortie. Donc, on va commencer directement avec le Khadra Time, les gars. La liste de Belmadji qui est sortie, qu'on attendait, qui a fait beaucoup de bruit. Elle est enfin disponible, une attente qui a fait plus parler que la liste en elle-même, hein, d'ailleurs. Adlen, comment toi, tu as vécu ça? Bah, écoute, on a l'habitude maintenant, j'ai envie de te dire, avec Belmadji, mais en même temps, il est dans l'étang, j'ai envie de te dire. Nous, on s'impatiente parce qu'il a une deadline et il y a beaucoup de sélectionneurs qui se précipitent, qui ont déjà une liste établie, qui ont peut-être moins de casse-tête à se faire que Belmadji. Donc, ils fournissent leur liste plutôt rapidement et prématurément. Bon, Belmadji, il est dans les temps. Hein. Je pense que le plus important, c'est que les joueurs ils soient concernés et au courant. Puis nous, on a attendu, on a eu la liste et puis on va en parler. Parfait. Yanni, effectivement, toi, je pense que tu as suivi aussi cette attente de la liste. C'était une longue attente. On a vu pratiquement la moitié des joueurs à partir de l'aéroport, mais elle est arrivée, cette liste-là. Kamal a expliqué en conférence de presse pourquoi il a tant attendu, il avait des choix à faire et tout ça. Et donc, c'est compréhensible. La liste est là et maintenant, place à la CAN. Voilà. C'est ça. Les gars, pour vous, est-ce que c'est une erreur professionnelle? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui tient de l'amateurisme, comme on a pu lire? Ou bien, justement, c'était quelque chose qui était dans l'heure du temps. On respectait les délais, donc pas de souci. Comment vous l'avez vécu, vous? Bah, écoute, moi, perso, moi, je le vis très bien. Encore une fois, il a des deadlines à respecter. Après, nous, on spécule sur le fait qu'il prenne trop de temps. Mais en fait, trop de temps par rapport à quoi? J'imagine que c'est par rapport aux autres, tout simplement. Et puis, bon, il a, comme je l'ai dit précédemment, il n'a peut-être pas les mêmes... les problématiques que les autres sélectionneurs, peut-être qu'il se pose un peu plus de questions, peut-être qu'il a juste envie de laisser attendre. Donc non, il faut pas s'inquiéter, il faut pas s'alarmer. Maintenant, on sait qu'il fonctionne comme ça, il faut aussi l'accepter. Le plus important, c'est pas tant combien de temps on attend la liste, c'est plus la liste en elle-même, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, cette liste, on va en parler et on peut en parler. Une liste qui devait avoir comme maximum 27 joueurs. Au final, on en est à 26 officiellement, mais en réalité, maintenant, encore à 25, puisque monsieur Amine Gouiri nous a quittés. Cette liste, justement, au final, est-ce que
c'est quelque chose de... Est-ce que la liste est qualitative pour vous? Ou comment vous avez vu cette liste, les noms qui sont sortis? Adeline. Écoute, moi, j'aime bien la liste. On ira un peu plus en profondeur dessus. Je suis pas surpris. Le fait qu'il y en ait que 26, ça me dérange pas plus que ça. Même descendre à 25, il a décidé de pas remplacer Guiri, qui a dû quitter le groupe. Moi, ça me choque pas plus que ça. Mais après, encore une fois, moi, j'ai pour habitude, Bilal, tu le sais maintenant, de parler souvent de la gestion du groupe, de la vie d'un groupe. Je pense que dans une compétition comme celle-là, c'est beaucoup plus important que ce que pense la majorité des gens. Il a décidé de faire une liste de 26. Le message derrière ça, moi, je peux comprendre les joueurs qui n'ont pas été pris, qui ont fait les regroupements avant et qui peuvent se dire, ça veut dire qu'ils pouvaient même me mettre en 27e, mais que je ne mérite même pas cette 27e place. Donc, je peux comprendre le ressenti des joueurs. Mais d'un autre côté, je comprends aussi que moins tu as de concurrence, entre guillemets, et plus tu as de chances de tenir ton groupe, c'est hyper compliqué d'accepter un statut de remplaçant, de doublure Ouais. pendant un mois entier. Donc moi, ça me perturbe pas plus que ça. Ok, toi, Yanni, pour est-ce que tu trouves que c'est pas peut-être se tirer une balle dans le pied de faire seulement confiance à un certain nombre de joueurs et ne pas vouloir aller au-dessus? Comment toi tu vois Bon, cette limite? après, on peut. Ça dépend en fait, ça dépend de ce que le coach pense. Là, il veut pas remplacer Guiri, donc on descend à 25, ce qui est un petit peu chaud. Donc si on se prend des blessures encore, on va descendre encore, vu qu'il y aura des matchs pendant la CAN. Donc peut-être qu'il y aura des blessures. Après, si Belmadi voit qu'il n'a pas besoin de renfort spécialement, vu qu'il y a encore des joueurs à côté, on pense à Himed, Abdelli ou même à d'autres. Donc pour moi, je pense que c'est un choix du coach et on verra ce qui va se passer après. D'accord, les gars, on va pouvoir avoir des chroniqueurs qui vont nous rejoindre eux aussi pour pouvoir parler de toute l'actu chaude qui est présente actuellement. On a déjà Monsieur Nazim, Monsieur le Made in Algérie. Salam alaikum, Nazim. Salam alaikum. Bilal, ça fait plaisir. Yanni, marhaba bek. Et puis Explique-nous Adlan, un on petit fait peu là, tomber. cette course à Alger, dans les bouchons algérois. Ouais, non. Ouais, tu sais, on va dire que j'ai vu pas mal de bus circuler à Alger, hein, n'en déplaise à certains. Et puis je vois que les gens vaguent à leurs occupations en ce début d'année. Bon, ça m'avait l'air un peu plus calme ce matin, mais cet après-midi, il y avait quand même full. Bon, les gens, ils circulent, hein, c'est normal. Donc, il y avait un petit peu de circulation. Et puis, j'avais bien calculé, hein, je pense, hein, entre la famille et tout ça. Bon, voilà, je me suis dit, je vais essayer d'arriver à 20h05-10. Bon, je pense que j'ai Ah, bien calculé mon coup. bien calculé, on se fait tirer les oreilles, nous. Et bon, il y a un Pareil. autre Algérois, il y a un autre Algérois, attention, il y a un autre Algérois qui nous rejoint, c'est Monsieur Zahir. Et oui, un autre Algérois Comme les qui. frères, ça m'a comme tout le monde, les auditeurs. Salam. Salam. Zahir est Heureusement que je suis là. pas seul, il y a Zahir. Zahir, il peut Ah, mais Zahir, confirmer, hein, ouais, qu'il mais le soit. Zahir, attention, hein. Zahir, il n'était pas prévu. Ok, Zahir, on ne peut pas lui tirer les oreilles. J'étais à Alger Centre à 1 heure. J'étais à Alger Centre à Ouais. 1 heure. J'étais à Louis et je suis revenu à Mohammedia en 1 heure là. Bravo, Avec deux machin. camions. En 1 heure. En 1 heure, En avec deux une heure, camions Zahir. sur la route. Voilà, 1 heure, il y avait deux camions sur la route qui étaient retournés. Subhanallah. Ah oui, Allah, c'est. Allah Akbar, Allah yajib al khair. Allah Inch'Allah, salamat. yajib Amin, Amin. amin, amin. Les gars, on va pouvoir enchaîner. On enchaîne, les gars. On était sur la liste des 26. Une liste qui est sortie très tardivement pour certains. Alors, est-ce que c'était le public algérien qui était très impatient ou bien c'était la liste qui est arrivée en retard? C'était un peu la première question pour toi, Zahir. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette sortie de liste? Non, la liste, encore une fois, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on le fait à chaque émission, mais il y a des problèmes qu'avec la liste de l'Algérie, ou c'est peut-être parce qu'on est algérien qu'on se sent un peu persécuté, mais c'est toujours à la dernière minute, il n'y a jamais de communication, on n'a pas de date fixée, on n'a pas d'infos, on voit des joueurs arriver, on ne sait pas pourquoi, enfin, c'est très, très, très bancal, et les joueurs étaient déjà quasiment tous là quand la liste a été publiée, donc
Tant qu'à aller là, autant ne pas publier de liste et dire, bon, on s'en fout, on n'a pas besoin de communiquer, les joueurs sont au courant et basta. Toi, Nazim, le fait qu'elle soit sortie comme ça, un peu qu'on ait dû aller à l'aéroport, parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient cette blague. Ils disaient la liste, pour avoir la liste, il faut rester à l'aéroport. Toi, comment tu l'as vécu cette petite histoire? Moi, je vais essayer un peu de nuancer. Je dirais que c'est un mélange effectivement d'impatience à l'algérienne. On est tous comme ça, impatients. Et puis, je pense qu'il y avait la conjugaison des phénomènes des listes des autres sélections qui sortaient les unes après les autres. Et au fait, ça met un coup de pression maintenant, hein. Internet, ça va très vite. Donc, dès qu'on voit que les autres, ils publient leur liste, nous, on se dit, ben, la nôtre, alors, elle est où? Sachant que la conférence de presse était dimanche. Donc, c'est vrai qu'il y a un mélange, je pense, d'impatience, parfois justifié, je pense, parce que des fois, je trouve que ça met un peu de temps. Mais je pense aussi à la décharge de Belmadi, il y avait peut-être des incertitudes médicales. Hein, on a eu la confirmation, on en reparlera après par rapport au cas de ce matin, et puis même Aouar. Bon, je pense qu'il y avait peut-être deux ou trois incertitudes par rapport à deux ou trois joueurs, et que Belmadi voulait consolider les rapports médicaux de certains, je pense, pour pouvoir annoncer enfin une liste. Je pense que il y a une impatience légitime, conjuguée quand même aussi à des facteurs quand même qui sont d'incertitude par rapport à cette liste. Ouais. Yanni, toi, cette liste, tu l'as trouvée convaincante ou et d'ailleurs la vraie question, c'est est-ce que tu changerais quelque chose dans cette liste? Moi, personnellement, j'ai aimé les joueurs qui étaient présents. Il y a de l'expérience, en pensant notamment à des joueurs qui sont logiques, enfin, d'être présents dans la liste. On pense à Rami Ben Sebaini, on pense à Ferroli aussi qui va apporter son expérience. Il a rappelé aussi Raïs Mbouli qui, ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu en équipe nationale. Je pense aussi qu'il va apporter son expérience. Donc, ouais, c'est une liste logique maintenant à savoir ce qu'on va faire pendant la CAN. Ouais, justement pour cette liste, tu nous parlais de Mbolhe qui a fait son retour. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est pertinent vraiment de le voir, surtout qu'il y a Azerba qui n'est plus présent? Pertinent, oui, il pourrait donner de son expérience, notamment à Azarba et à Mandrea. Déjà, dans un premier temps, on connaît Raïs, il a participé à beaucoup de CAN et tout ça, donc il pourra donner son expérience. Ouais. Toi, Adeline, cette liste, on a pensé quoi? Bah écoute, moi je suis plutôt satisfait. Après, Yanni Zarba, il sera pas, ça sera bonne botte à la place, hein, pour Donne-moi cette CAN. pardon, donne-moi. Ouais, ça sera bonne botte. Alors pour revenir sur le cas Mbolhi très rapidement, moi je ferai peut-être le parallèle avec France 98 où on avait un Bernard Lama qui était indiscutable sur toutes les compétitions internationales avant 98. Et on a le jeune Barthez qui arrive, qui est titulaire. Et puis on a le rôle de Bernard Lama qui joue le grand frère. Il en a parlé dans la presse après. Et je pense qu'il a été très, très, très important dans l'installation de Barthez dans cette équipe de France. Je pense que Mbolhe peut avoir ce rôle-là. Je pense qu'il est là pour ça. Mandrea, il a fait de très belles sorties en équipe nationale. Mais encore une fois, gérer une compétition, le stress d'une compétition où tu peux pas trop te trouver, on a vu hein, la CAN précédente, c'est complètement différent. Je pense que avoir quelqu'un d'expérience à côté qui puisse gérer ça avec toi, te donner des conseils et qui accepte son statut de numéro 2, voire numéro 3, c'est pas du tout un luxe, c'est très bien. Et Ouais. donc voilà pourquoi je suis plutôt moi satisfait de Mbolhi. Pas jouer pour pas jouer, autant qu'il y ait un mec d'expérience pour donner des directives. Après, concernant la liste, rapidement aussi, moi j'ai fait un peu le comparatif de ceux qui étaient là à la CAN précédente et qui Ouais. par qui ils ont été remplacés. Et puis quand on regarde, franchement, au poste, un peu bêtement, hein, pas forcément au poste, mais on n'a plus Bedran, on récupère Guitoun. On n'a pas Hleymia, on prend Ait Nouri. On enlève Chetti, on met Laroussi. Tarat pour Touba. Benayada pour Belaïd. Belkebla pour Ben Taleb. Ben Debka pour Aouar ou Boudaoui. Franchement, C'est vrai je pense qu'on change, ouais. qu'on s'est Effectivement, ça. renforcé. On s'est renforcé. Et puis après, encore une fois, on est un peu gourmand maintenant parce qu'on a un choix très élargi de joueurs.
Donc forcément, on débat maintenant sur qui devrait être là ou pas être là, mais je pense que là, on s'est clairement renforcé dans cette équipe. Mais t'as pas l'impression que ces joueurs-là, peut-être au niveau de qualité intrinsèque, c'était peut-être moins bonne, mais qu'elle fitait mieux avec, qu'elle s'alliait mieux avec l'équipe nationale en termes d'homogénéité? Est-ce que tu trouves que Non, c'était homogène? moi je trouve qu'elle est homogène. C'est des joueurs qui sont en plus qui sont polyvalents. C'est des joueurs qui ont quand même un minimum d'expérience, même si pour beaucoup ils joueront leur première CAN. Mais je pense que moi j'essaye de positiver. Après, encore une fois, quand on conteste un joueur, il faut savoir par qui on le remplace. Là, quand je vois ce qu'on avait avant, ce qu'on a maintenant, je pense que l'équipe s'est renforcée. Et j'ai pas envie de cracher sur la liste aujourd'hui, tu vois. Zahir, toi, le fait que, par exemple, avec la blessure de Guiri, il décide de rester déjà, non seulement ne pas être à 27, mais à 26, et maintenant, avec l'annonce de la blessure de Guiri, de rester à 25. Comment, toi, tu vois ça? Bah, ce que ça veut dire, c'est que c'est un coach déjà qui n'a pas spécialement envie d'avoir un effectif très large. Il y a deux types de coachs. Il y a ceux qui vont se prémunir, vont dire il y a d'éventuelles blessures, il y a des pépins, il y a le contexte africain, des blessures, des suspensions, plus ce qui peut se passer aussi par rapport au fait d'avoir. On l'a vu sur l'exemple du Maroc à la Coupe du Monde, où à un moment, ils commencent à piocher et plus avoir limite de joueurs de l'effectif à pouvoir aligner. Et il y a le fait de se dire je préfère maintenir la cohésion de groupe, je préfère avoir un effectif un peu plus restreint, moins d'erreurs à gérer. Moins de, bah, tout La simplement, connexion. d'ego. Un joueur qui joue pas, c'est un joueur qui est malheureux. Donc, un joueur qui est malheureux, c'est un joueur qui potentiellement peut te mettre une mauvaise ambiance dans un vestiaire. Donc, Ouais. on va dire que Guiri, ça se présente comme ça, c'est une blessure qui n'est pas prévue. Et il se dit que, en équivalence, il aura peut-être pas forcément aussi bien au niveau des remplaçants. Donc, autant partir avec le groupe qu'il a déjà. Tous les postes sont doublés. Il faut savoir qu'il y a 6 attaquants. Deux plutôt profil droite, Mahrez Ounas, deux profils avancés, Slimani Bounedjah, et deux capables d'évoluer sur l'aile gauche, Belaïli et Amora. Donc, c'est cohérent. On sait qu'à la base, bon, c'est des listes de 23 joueurs, on en a 25. Ça ne me choque pas plus que ça. Ce n'est pas comme si on avait 23 joueurs et qu'il avait choisi d'en prendre que 20 ou 21. Bon, là, les postes sont quand même doublés, donc le risque est, on va dire, limité. En Ouais. plus, Bilel Zahir, le fait de pas prendre de joueurs en plus, de pas remplacer Guiri, ça montre aussi, je pense, une certaine. Il a des certitudes, le coach. C'est-à-dire qu'il a des certitudes et dans ces certitudes-là, il n'a pas forcément envie de jouer le turnover, je pense. Donc, ça a peut-être aussi un côté rassurant où il a son idée avec certainement un 11 type de départ, des potentiels remplaçants en cours de match. Et qu'après, le reste, ça fait un peu le nombre pour parler un peu vulgairement. Et donc, Adeline, il a. et Adeline, pour te rejoindre sur ça, j'ai envie de dire, on donne souvent cet exemple, qui t'a un peu en abusé, mais on compare à chaque fois Deschamps et Belmadi. Ben Deschamps, à la Coupe du Monde, il avait droit à 26 joueurs, il en a pris que 25. Donc, Exactement. c'est le même contexte. Il a choisi de ne pas remplacer, par exemple, un Benzema qui avait été déclaré out, et il était parti avec son groupe comme ça. Ouais, toi, Nazim, tu trouves que tu es du même avis sur la cohérence de cette liste? Est-ce que, déjà, la première des choses, savoir si le fait de ne pas remplacer Guiri, est-ce que pour toi c'est une faute ou ça se comprend? Ou la deuxième des choses, c'est est-ce que la totalité de la liste, est-ce que tu la trouves cohérente? Dans la logique belmadienne, je dirais oui, incontestablement. Il nous fait du Belmadi. C'est un mix entre sécurité, on va dire, et transition douce dans cette équipe. Il essaye je pense, d'opérer un renouvellement quand même progressif. Il le fait, hein, depuis quelque temps. Mais là, effectivement, il y a quand même un rappel des troupes de 2019, quand même en bonne partie. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il essaye, je pense, d'assurer cette transition d'une façon douce, en optant quand même pour une certaine stabilité. Donc, c'est une liste pour moi qui est quasiment sans surprise. Je dis bien sans surprise. Pour la simple et bonne raison qu'il a fait un mix entre quelques joueurs capés qui ont quand même l'expérience des CAN avec des joueurs plutôt confirmés ces temps-ci et qui frappent aux portes de l'équipe nationale d'une façon un peu importante. Donc, je pense que moi, je rejoins un peu Adlan sur le fait que je trouve la liste pas mal, cohérente avec ses principes à lui, avec ce que fait Belmadi depuis le départ. Après, mon avis personnel là-dessus, je dirais que aller à 25
ça peut être suffisant, je l'entends, mais pour moi, c'est dommage de se priver de deux éléments supplémentaires, d'autant plus qu'on a vu sur les dernières listes certains jeunes émerger, des jeunes qui peuvent pour moi vivre une expérience enrichissante en prenant les deux places qui restent et préparer le mois de mars et les échéances de juin. Voilà, moi après, c'est le seul bémol que je mettrai à cette liste, c'est le fait de ne pas combler les deux places qui restent, qui pour moi, aujourd'hui, peuvent s'avérer importantes pour l'avenir, pour préparer la suite de la CAN. Parce qu'il y aura un avant et après CAN 2023, je l'ai déjà dit, et je le redirai encore ce soir. Ok Nazim, mais est-ce que toi, pour toi, tu trouves que cette équipe, au-delà du fait que de la mentalité de Belmadi, est-ce que pour toi, donc pas au niveau de la mentalité de Belmadi, mais est-ce que pour toi, déjà, est-ce que c'est une liste que toi, tu pourrais faire? À qui tu t'adresses? Bilal, À Nazim. ouais, Bilal, Il a mis j'ai pas trois entendu la secondes. fin de ta question. Ah, J'ai eu d'accord, ok. non, Ça a j'ai pas coupé pour entendu tout la fin de ta le monde question. C'est ou... Non, on a entendu, on a oui, entendu. Autant au bon pour moment, moi. quoi. C'est ça. Nazim, là, je t'ai demandé de te mouiller. Nazim, là, je t'ai demandé de te mouiller. Je te Vas-y. dis, tu ne te caches pas derrière, c'est la mentalité de Belmadi. Je t'ai dit, tu me dis, toi, est-ce que ça, ce serait ta liste? À un ou deux éléments près, oui, je pense. Ce J'aurais sont quand même lesquels? mis un Kadri ou un Belloumi, quand même, parce que pour moi, c'est des joueurs qui auraient mérité, vu le vécu depuis 6 mois avec cette équipe nationale, au moins. Je les aurais mis quand même dans la liste pour préparer l'avenir. Bon, Bouanani, oui, parce que mais Bouanani est blessé, donc je veux dire, voilà, je l'exclus. Donc si je Donc, devais parler des deux places, oui, je ah, les aurais d'accord. mis. Donc là, c'est par rapport aux deux places manquantes. Et sur les 25, Aux deux mais places. est-ce que je peux Ah, poser sur les 25. une Alors, question? allez, sur les Adel. 20. Nazim, c'est à toi que je la pose aussi cette question. On parle souvent des problèmes qu'ont les joueurs déjà à se libérer pour la CAN. Belmadi, il en est aussi conscient. Est-ce que prendre un Bellomi, prendre un Kadri, même peut-être même un Zorgan, en sachant qu'ils ont quasi aucune chance de jouer, ça serait pas plus les desservir que les servir? Parce qu'au final, ils ont aussi besoin de confirmer et de s'imposer en club. Donc, est-ce que les laisser à la disposition de leur club, c'est pas aussi une bonne chose, étant donné que a priori c'est des joueurs qu'il n'utilisera pas. Donc, mis à part l'expérience d'être avec le groupe pendant la CAN sans jouer, bah, ils vont peut-être plus y perdre qu'y gagner. Et pourquoi pas, Adlan? Je te repose la question dans un autre sens. Et pourquoi pas? Parce que justement, on s'est habitué dans cette logique, je trouve, de miser trop sur les mêmes ou ceux qui sont appuyés médiatiquement, parce qu'il faut le dire aussi, il y a un traitement médiatique qui est différent en fonction des joueurs, malheureusement, il faut le dire aussi. Et je pense que Belmadi, inconsciemment, peut être influencé par certaines choses par rapport à ça, sur le fait que certains joueurs en mettent trop de projecteurs dessus. Dès qu'ils font une demi-mi-temps de bonne facture, ça y est, on les prend, ils sont titulaires indiscutables. Et d'autres, malheureusement, qu'on peut prendre comme ça, qui peuvent faire quelques belles apparitions et dont on n'en parle plus. Moi, c'est un peu ça que je déplore aujourd'hui. C'est pourquoi ne pas dire que finalement, que ce soit Kadri, Bouanani, Belloumi ou un autre, hein, peu importe, lâcher les chevaux, comme on dit, les prendre dans le groupe, leur donner la chance de s'aguerrir et. Et puis pourquoi pas, ça peut toujours apporter de belles surprises. À un moment donné, je veux dire, on est trop dans la logique, si tu veux, qui est liée au vécu. Il y a un mix entre ceux qui ont déjà du vécu dans cette équipe et ceux qui éclorent comme ça d'une façon fulgurante, appuyés par certains cercles médiatiques. Et puis on dit, voilà, ça y est, lui, Kimengulo Samar Blasto, il a ça y est, il a Ouais, son pied je et comprends demi ce en que tu équipe veux nationale. dire, Nazim, mais Ça, c'est un peu dommage. Et certains joueurs, dans une compétition comme celle-là, t'es pas en phase de test. À la rigueur, tu as une bonne surprise et encore, miraculeusement, tu en as un, mais pas sur 3-4 joueurs. Quand tu pars à la CAN et que tu es l'Algérie, tu pars avec certaines bien sûr, certitudes, avec un bien 11 de départ. sûr. Mais moi, ce que je dis, il faut tenter. Il faut pas Oui, se. tenter, mais il a tenté, pas, tu ne te tentes pas à la CAN. Tu Ouais. tentes une fois à la CAN, pas sur 4 joueurs. Nazim, tu sais pourquoi j'irais contre Mais ton non, mais Adnan, argument? là, tu tentes Nazim. sur 27 joueurs, hein, pas sur 22, sur 27. Ouais. Nazim, tu sais pourquoi j'irais contre ton argument? Parce que ça aurait été valable s'il Oui, avait pris 27 Zahir. joueurs. S'il avait pris 27 joueurs et qu'il n'avait pas pris ces 2-3 jeunes dont tu parles, ça aurait été valable. Comme quoi, il cherche vraiment pas à se renouveler, etc. Mais là, à partir du moment où il a restreint le groupe, ça veut dire qu'en tous les cas,
c'est des éléments sur qui il n'aurait vraiment pas compté et qui peuvent que lui causer du tort selon sa définition d'une compétition, d'une CAN. Moi, je pense aussi, moi, je pense C'est comme ça. ça. Moi, je C'est pour ça pense que je parle de logique que encore une pelmadienne, fois. depuis le Ouais, départ. bien sûr, bien sûr. Et moi, je te dis franchement, je te parle un peu d'expérience. Sur une compétition comme celle-là, tu peux tenter un pari, voire deux paris, et encore, hein, t'as même pas les fenêtres pour le faire. Parce que tu as ton 11 de départ, tu as le remplaçant, la doublure, qui est là. À la limite, sur un troisième match, et encore, tu peux peut-être tenter un coup sur des blessures et tout, mais tu peux pas, tu peux, tu, c'est pas des joueurs. Je pense que dans sa tête, Belmadi, il n'a pas tracé un trait sur ces joueurs-là définitivement, mais en tout cas, pour lui, clairement, pour la CAN, il allait certainement pas les utiliser et les a laissés à la disposition de leur club. Et je pense que c'est aussi leur rendre service quelque part. Ouais. Les gars, une question sur cette liste un peu plus précise. On va rentrer sur la ligne des milieux. La ligne des milieux a été pendant très longtemps une ligne qu'on a vue parce que c'est peut-être celle où on a le plus de talent. C'est même pas peut-être, c'est celle où on a le plus de talent et aussi celle où en nombre et en qualité, c'est le plus dur à se faire sa place. Tout simple, question. Est-ce que vous auriez pris les mêmes. Alors, c'était 7 joueurs. Hein. Il a pris 7, 7 joueurs au milieu. Est-ce que vous auriez pris les mêmes 7, tout simplement? Yanni. Tu peux me répéter, s'il te plaît, la question? J'étais avec l'invité, Il excuse-moi. n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Du coup, je te pose la question de savoir, est-ce que pour les 7 du milieu, vous m'arrêtez hein, si je me trompe, je n'ai pas la liste sous les yeux là tout de Si, il suite. y en a 7, il y en a 7. C'est 7, hein, voilà. Zerouki, Boudaoui, Benacer. On est Bentaleb, bon. Awar, Aibi, Zerouki, Boudaoui, Benacer 7. Ça, merci les gars. Est-ce qu'il y en aurait un que vous auriez pris plus que d'autres? Par exemple, je pense à Kadri, à Abdelli, à Zorgan. Est-ce que ils auraient pu faire leur place contre quelqu'un d'autre? Yanni? Contre quelqu'un d'autre au milieu de terrain, je pense pas. Moi, j'aurais pris peut-être Himed en renfort, tu vois. Mais pour mettre à la place de quelqu'un d'autre, non. Pas spécialement. Moi, je pense qu'on a suffisamment au milieu de terrain. On a des Bennacer, des Aouar, c'est quand même des joueurs qui apportent beaucoup au milieu de terrain. Donc, Himed aurait peut-être amené quelque chose, notamment en seconde période, peut-être. Mais pour enlever, non, je dirais que non. On est bien. Ok, Adlen, toi, t'en penses quoi de cette ligne des milieux? Bon, moi, je suis assez satisfait sur les noms. Bon, après, c'est des joueurs, il n'y a rien à dire. C'est des Après, joueurs qui. oui. Après, au-delà des noms, hein, c'est vrai que ouais, Ouais. j'ai pas précisé sur ça. Au-delà des noms, bien évidemment, on parle de profil. Est-ce qu'il y a assez de différences de profil pour aller jusqu'au bout par rapport à toutes les équipes qu'on va rencontrer? Est-ce Ouais. que, il y a assez de doublons? Ou en tout cas de joueurs polyvalents, ce genre de questions quoi, par rapport au milieu. Bah, moi, je trouve que justement, il est assez hybride. Ouais. Ce milieu, il est assez complémentaire. Il y a beaucoup de techniques déjà. Il y a aussi des joueurs un peu qui iront peut-être un peu plus au contact. Je pense à Feghouli, Benacer s'il revient à son meilleur niveau et Ben Taleb. Même Boudaoui, j'ai envie de te dire. Après, tu as du gaucher, tu as du droitier. Tu peux jouer à 4 milieux, à 3 milieux. Tu peux même jouer à 5. Enfin, je veux dire, c'est des joueurs. En plus, tu as un Shaibi qui peut jouer un peu plus haut. Tu as un Aït Nouri qui peut venir renforcer un milieu de terrain. Ouais, c'est moi ça me paraît cohérent. Alors oui, j'aurais bien aimé moi aussi Kadri, j'ai beaucoup aimé ses petites apparitions quand il était en équipe nationale. J'aurais bien aimé un Sayoud par exemple aussi, mais à la place de qui? C'est toujours la même question. Donc voilà, si tu dois te projeter sur du court terme avec la CAN, moyen long terme, bah ces milieux de terrain là, bon, à part peut-être Feghouli qui ça sera peut-être sa dernière compétition, mais je pense qu'en termes de pareil d'accompagnement dans la compétition, d'expérience, il peut apporter quelque chose. Mais après, sur les autres, je pense que c'est un peu l'avenir de l'équipe nationale. Et moi, ça me paraît plutôt cohérent. Ouais. Au-delà de cette liste, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour sur cette liste, à part si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Mais une chose quand même très importante, ce dimanche, c'était la conférence de presse. Conférence de presse de Belmadi où il y a des choses à dire. Et on a eu un consultant, une personne qui Miguel, était sur place. Oui. est-ce que tu Écoute, n'as pas moi, je sais été pas si le... c'était la conférence de presse de Belmadi ou de Nazim. J'ai des doutes Mais c'est vrai que l'intervention de Nazim, elle a fait du là. bruit, hein.
Yannick, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste dire que Charles est connecté, donc je sais pas si. Alors je le vois pas, je le vois pas présent. C'est bizarre, il dit qu'il est connecté depuis 10 minutes. Ah ouais? Ah ouais? On le voit pas en studio. Attends, je renvoie le lien. J'espère qu'il n'est pas connecté à YouTube là. Ouais, c'est ça, est-ce que tu as envoyé le bon lien? Si, t'inquiète. Yannick l'a envoyé sur un autre. Ah, on a un nouveau guest. Ah, les amis. On est bon. On est bon. C'est bon? Monsieur Charles Camoret. Salut Charles, comment tu vas? Bien, et vous? Super. Merci. Salut. Salut. Merci. Salut Charles, on est heureux de t'accueillir dans l'émission, surtout après les prochaines batailles qui nous attendent. Oui, c'est vrai. On va pouvoir en parler, histoire de te présenter un peu. Je pense que tout le monde te connaît ici, mais histoire de souligner quelques faits d'armes. Monsieur Charles Camoret, bien évidemment, joueur de renom, 20 ans de carrière derrière, 6 ans de carrière en France, surtout à l'Olympique de Marseille, où il y a eu pléthore de titres et de trophées majeurs qui ont été gagnés. Ensuite, un gros passage en Russie, Krasnodar et le Dynamo Moscou. Et aujourd'hui, tu es au Chamois Nortais, c'est ça? Non, j'ai arrêté. De la retraite. Ah, c'est bon, oui, c'était fini, ok. J'avais pas vu la mise à jour. Je pensais qu'il y avait encore... J'ai arrêté à 6 mois. Ok, d'accord. Je pensais que tu mettais encore les crampons, mais c'est bon, là. Non, je suis fatigué déjà. Non, alors, Charles, surtout, c'est 5 cannes quand même. Hein. Oui, bon. Hormis la... S'il n'y avait pas la Covid... J'allais faire le celui du Cameroun parce que j'étais à Dynamo Moscou. Et bon, il y a deux cas, nous, on n'avait pas été qualifiés en 2008 et en 2019. Donc, en tout, si on calcule tout, ça allait faire au moins 7 cannes. Ah ben, on sait que tu voulais rejoindre Rigaud. On sait que le vieux père, là, notre ami Rigaud Bersong, là. Oui, mais bon. Il est dans la ligne de mire de. Ouais. Charles. Charles, on va commencer directement avec cette CAN que toi, tu as pu disputer, tu as pu aller jusqu'en finale avec le Burkina Faso en 2013. Déjà, première question assez simple. Quels sont les ingrédients pour aller jusqu'au bout pour une équipe africaine? Vous savez, une CAN, ça dépend beaucoup de la préparation et l'atmosphère que vous avez les premiers jours du rassemblement, les liens qui se créent entre vous, et le rapport et tout avec le coach, avec toute l'organisation autour, au fait. Donc, on a eu la chance de jouer une finale et de jouer deux demi-finales en 2017 et en 2013. Et franchement, c'est tout un travail de cohésion du groupe, de savoir se soutenir mutuellement. Parce qu'une compétition comme la CAN, ce n'est pas une compétition qui... Il y a beaucoup d'émotions qui jouent, il y a le pays qui est derrière, et un pays comme l'Algérie, c'est 10 fois plus que le Burkina, mais bon, chaque pays a ses réalités. Et, mais nous, en partant à la CAN, en réalité, c'était pour sortir souvent des phases de poule. Parce qu'avant 2013, on gagnait même pas un match. Donc, on est différent de l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est un grand pays de football quand même. Et le Burkina, pas à pas, dans les 10 dernières années qui sont passées de 2013 à 2023 aujourd'hui, on figure quand même parmi les équipes qui sont un peu stables par rapport au niveau africain. Ouais, merci pour cette très très bonne intervention. Charles, il y a une question qui revient très très fort. On sait que tu as une histoire très particulière avec l'Algérie et que l'Algérie a une très forte histoire footballistique avec le Burkina Faso. Avant d'avancer, on va passer juste sur une petite anecdote. Yannick, je pense qu'il en parlera mieux que moi. Avec Monsieur Majid Bouguera, Yannick. Alors Charles, on va revenir un petit peu sur le fameux tag que tu as reçu de Majid Bouguera. Bon, lui, il a déjà commenté le tag. Il en a parlé pendant une émission de C'est vous l'expert, c'était en 2017, si je ne me trompe pas.
Donc, attends, on va te laisser dans un premier temps écouter ce qu'il a dit. Comme ça, tu pourras répondre. Attends. Ok. De suite. Je te mets le son et la vidéo. Un instant. Charles, en attendant, si tu tournes ta caméra en latéral, est-ce que tu nous vois encore? Parce que nous, on te voit un peu en petit. Est-ce que Ah tu bon? l'as. Si tu fais une Ah, rotation. vous me voyez? Ouais, on te Ah, voit très c'est bien. parfait. Tu nous vois aussi? Voilà. C'est Magnifique. bon? Magnifique, Ouais. magnifique. Ok, Merci. merci. Alors, Charles, je te laisse écouter. Attends un instant. Hop. L'anticiper. Mais tu sais, par rapport au taxe, sur le coup, je ne me suis pas rendu compte. Moi, je suis un taxe normal. Lui, il s'en est rendu compte. Hein. Tout le Burkina s'en est rendu compte. Et j'avais eu, justement, le soir après match, j'avais parlé un peu avec tout le monde et tout. Et justement, j'étais avec Belmadi. On parlait un peu du match et tout. Et il m'a dit, tu sais que t'as failli passer de héros à zéro. Hein. Il m'a dit, t'as fait un tac de fou. Je dis, mais non, j'ai fait un tac normal. Et après, j'ai regardé sur YouTube vite fait la vidéo. Et c'est vrai que. Finalement, les cas, ça ne passe pas. C'est des. Voilà. Mathieu, ça va, je ne l'ai pas touché. Et l'intention n'était vraiment pas de le blesser. voilà, Charles. On doit peut-être répondre à Majid. Bon, vous savez, il y a l'émotion aussi, parce qu'à Blida, le match, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce que c'est un grand match pour l'Algérie et le Burkina. Et dans un contexte très, très difficile, vous savez comment ça se passe en Algérie. Le stade était bouillant quand on est sorti pour et voir la pelouse. Déjà, le stade était déjà plein, je pense, depuis 15 heures. Et l'Algérie, c'est un grand pays de football. Et on peut rien les enlever, la passion qu'ils ont. Et maintenant, par rapport à ce tacle que Bouguera, bon, c'est dommage parce qu'il devait sortir avec un carton rouge. Et c'est lui qui marque derrière. Bon, vous savez, c'est des faits de jeu, c'est le football. Et ça fait Ouais. 10 ans et l'Algérie a fait un beau parcours pendant la Coupe du Monde. Donc, c'est du passé. Le plus important aujourd'hui est que. Et c'est des bons souvenirs. C'est dommage. On aurait bien voulu jouer au moins cette Coupe du Monde pour le Burkina, rentrer dans l'histoire encore plus. Mais bon, c'est la vie et l'Algérie a bien représenté le continent africain. Charles, pour revenir à l'actualité, comme je le disais tout à l'heure, tu sais très bien que les matchs entre l'Algérie et le Burkina Faso, c'est toujours des matchs que nous, Algériens, on prend très, très au sérieux. On sait que c'est tout le temps une adversité très, très forte qu'on a en face de nous. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la préparation du Burkina? Comment elle arrive à cette CAN? Bon, je pense que jouer un match contre l'Algérie, je pense souvent les plus grands matchs, c'est les plus faciles à jouer. Parce que si l'Algérie bat le Burkina, c'est normal. Bon, niveau que les joueurs, niveau qualité, niveau structure, niveau histoire, et l'Algérie bat le Burkina, c'est normal. Mais la plupart du temps, le Burkina arrive à tenir tête parce que les matchs les plus difficiles, souvent, sont les matchs les plus faciles. Parce que tu n'as rien à perdre et tu joues sans te rendre compte et tu te surpasses. Et je pense que la préparation du Burkina se passe bien sur Dubaï actuellement. Bon, il y a deux, trois absents pour le moment parce que j'ai joué la Première Ligue hier ou avant-hier. Je pense que la préparation se passe bien, j'ai des échos. Et j'espère qu'ils vont arriver frais et puis bon, faire une bonne compétition. Merci à toi. Et une question toujours sur le groupe. Qu'est-ce que tu penses du tirage? Bon, je pense que vu le niveau du groupe, et il faut sous-estimer personne parce que la Mauritanie, c'est une équipe qui court beaucoup, qui a beaucoup de binationaux. Et l'Angola, c'est une équipe difficile à jouer en compétition. Je joue contre eux. Et à la Coupe d'Afrique 2012, non? Oui, ouais, en Angola. Bon, je pense que c'est une équipe très, 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 très difficile à jouer en compétition. Et je te jure encore plus, ils sont encore plus dangereux. Ils ont des équipes qui jouent, des joueurs qui jouent et dans les réserves de Sporting et qui jouent à Porto, souvent. Bon, la plupart, 80% de leur équipe joue au Portugal. Donc, je vais en venir au Burkina. Burkina, bonne équipe et avec beaucoup, beaucoup de jeunes talents.
Et maintenant, la Côte d'Ivoire pour nous, c'est toute une histoire parce que le Burkina et la Côte d'Ivoire, on est liés. On est liés par la frontière et on est liés par beaucoup, beaucoup d'histoires. Donc, c'est comme si on était au Burkina. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Pour l'Algérie, bonne équipe, avec des bons joueurs, des bons binationaux qu'ils ont pu récupérer récemment. C'est dommage pour Guiri qu'il soit blessé. Maintenant, Aouar, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et il a beaucoup, beaucoup de technique et j'aime bien ce joueur. Justement. Charles, moi j'ai une question par rapport, justement, on parlait du tirage au sort. Par rapport à la chronologie des matchs dans ce groupe, qu'est-ce que tu penses de cette chronologie? Est-ce que ce n'est pas quelque part le tirage un peu parfait? C'est un groupe qui est un peu relevé. Mais vous jouez la Mauritanie en premier pour ensuite jouer l'Algérie et puis certainement une potentielle qualification contre l'Angola. Donc est-ce que ce n'est pas la chronologie parfaite? Bon, vous savez, souvent les compétitions, et le Burkina a joué contre la Mauritanie récemment et ils ont gagné 1-0, difficilement. Donc, une CAN se joue parce que c'est souvent le beau jeu dans une CAN, c'est très très compliqué avec souvent l'état des pelouses et tout. Bon, il faut savoir vraiment batailler. En Côte d'Ivoire, il fait très très chaud en ce moment et il faut savoir supporter la chaleur et puis, bon, travailler, travailler. Et ce groupe, je pense qu'il y aura des surprises. Parce qu'avec la Mauritanie, l'Angola, le Burkina, l'Algérie, il faut que toutes les équipes, les quatre équipes se mettent vraiment au niveau et pour pouvoir sortir de cette poule. Les gens négligent en disant, OK, l'Algérie et le Burkina sont favoris, mais soyons prudents. Concernant le match à Bouaké, justement contre l'Algérie, il va se jouer à 14h. On imagine un stade qui sera certainement clairement pour le Burkina. Comment on aborde ce genre de rencontre quand on est concerné, comme toi par exemple en tant que capitaine? Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs pour ce genre de rencontre lors d'une CAN? Bon, simplement, et c'est un grand match et il va faire très très chaud et d'être prudent parce que bon, les erreurs défensives, souvent c'est ça qui amène les buts et ne pas surtout négliger l'Algérie parce que à tout moment ils ont des joueurs qui sont vraiment vifs sur le côté et des bons joueurs techniques et bon, souvent le côté africain, on se dit on a l'habitude de la chaleur et les Maghrébins souvent bon la chaleur ils n'arrivent pas à supporter parce que c'est une chaleur qui est vraiment étouffante. Et qui est lourd. Et à 14h, un match comme ça va être très, très élevé. La chaleur va être au rendez-vous. Maintenant, il faut bien se préparer mentalement. Et le Burkina, je pense que ils savent qu'ils doivent courir beaucoup, beaucoup, beaucoup contre l'Algérie. Parce que la possession de balle, souvent, la plupart du temps, c'est l'Algérie qui l'a. Parce qu'ils aiment avoir le ballon. Maintenant, il faut être intelligent et puis bien défendre. Et chercher les opportunités. Zahir, il a une question pour toi, Zahir. Ouais, Charles, j'ai une petite question par rapport, moi, au niveau des joueurs. En fait, on a souvent des grands joueurs africains qui sont impressionnants dans leur club. Et quand la Coupe d'Afrique démarre, on a beaucoup de gens autour de nous, notamment les non-africains, qui nous disent pourquoi ces joueurs-là sont moyens quand la Coupe d'Afrique démarre. On a l'impression qu'ils sont plus lents, qu'ils sont plus imprécis, moins efficaces quand c'est des attaquants. Comment tu l'expliques ça? Cette espèce de... Ils sont un peu Bon, empruntés. vous savez, en club, c'est différent. Parce que vous avez tous les meilleurs joueurs réunis et qui ont été achetés de d'autres nationalités. Et le pays fait avec le joueur qu'ils ont. Souvent, tu as des automatismes avec quelqu'un que tu t'entraînes avec tous les jours qui est instinctif. Tu sais que quand il a le ballon, tu fais contre-appel et il te met le ballon. Et en équipe nationale, souvent. Et il y a des appels que tu fais en tant qu'attaquant ou en tant que milieu, tu veux le ballon différemment. Maintenant, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble. En équipe nationale, le maximum de temps qu'on peut passer avant une compétition, c'est 10 jours. Donc, ce n'est pas assez long pour s'adapter à un joueur. Sauf si vous avez grandi à l'académie ensemble ou vous avez joué des compétitions majeures ensemble, où vous êtes côtoyés, tout, tout, tout. Vous savez, l'équipe nationale est. Les clubs, c'est vraiment différent. Le club, c'est comme si vous vivez plus ensemble qu'avec votre famille. Et en équipe nationale, c'est que 10 jours. Donc, ça peut faire vraiment, vraiment la différence.
Charles, moi j'ai une question par rapport à bon, on se pose souvent la question en Algérie notamment, mais je pense dans toutes les nations, entre certains joueurs qui sont convoqués et qui jouent très peu en club. C'est un peu le cas là de votre leader technique là, comment il D'accord, s'appelle exactement, Bertrand Traoré. Traoré. Voilà, Oui. exactement, Bertrand Traoré. Donc comment ça se passe exactement concrètement, toi maintenant, ancien joueur, ancien capitaine? Comment tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent que parfois, le temps de jeu, ce n'est pas forcément ce qui va peser le plus dans la balance? Comment on peut expliquer aux gens qui ne sont pas dans le milieu que parfois des joueurs, ils ne jouent pas beaucoup, mais leur place est incontestable? Oui, c'est pas lié. C'est pas lié parce que bon, en club c'est différent, il y a l'émotion, tu veux jouer et il y a la place pour c'est une place qui est minoritaire, mais en équipe nationale il y a cette passion là, c'est cette passion de dire qu'il y a la famille derrière et tu dois être performant et il y a des grandes attentes parce que jouer pour une nation et jouer pour un club c'est deux choses différentes. Tu portes le maillot de toute une nation. L'hymne national, déjà, dès que ça commence à retentir, tu sais que tu as un devoir. Tu sais que tu dois te battre pour ton pays et pour l'amour de ce maillot que tu portes sur toi. Ça te transcende, au fait, automatiquement. C'est même pas une question de club. Le club, c'est plus pour le gain, pour assurer l'avenir de la famille, des enfants. Mais l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la fierté, l'honneur et la reconnaissance, vous savez. Et moi, j'ai été supporter de l'équipe nationale du Burkina et j'ai été joueur. Donc, cette émotion-là, c'est différent. Quand tu es supporter et tu as supporté les victoires, on est sorti, on a marché, on a crié, on a chanté, et après, tu deviens joueur de cette nation, tu peux que te donner à 200%. Tu n'as pas le choix. C'est différent des clubs. C'est vraiment, vraiment différent des clubs. Et je pense que ceux qui sont en club, qui ne jouent pas, ce n'est pas pour autant pas meilleur en équipe nationale. Il ne faut pas juger par rapport à ça. Non. Justement, j'aurais une question, si vous me permettez. Charles, on a eu quelques billes en fait, de l'intérieur de la sélection du Burkina Faso. On a entendu que Bertrand Traoré était incertain pour le match contre l'Algérie. Est-ce que s'il ne joue pas, ça va un petit peu fausser? Je ne sais pas si ça va changer quelque chose au match, par exemple. Bertrand, c'est un Est-ce que plus c'est pour un le élément Burkina. important pour toi? Pardon? Oui, c'est un plus. Déjà, c'est le capitaine, c'est le leader technique et c'est quelqu'un qui est imprévisible. Donc, Bertrand, l'avoir sur le terrain, c'est un plus pour le Burkina, à 100%. Sans enlever le Moi, mérite aux autres. Hein. Nazim. J'avais juste une question. Ouais, j'avais une question pour Charles. Charles, tous les 4 ans, on a remarqué depuis la dernière décennie, le Burkina atteint soit la demi-finale, soit la finale. Si on suit l'arithmétique, 4 ans après la dernière demi-finale, non, 2 ans après la dernière demi-finale, on se dirait que le Burkina va sortir au premier tour. Non, blague à part. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, depuis 2013, tu l'as très bien dit au début, que le Burkina est pour moi l'équipe la plus stable en termes de performance au niveau de la Coupe d'Afrique, avec quand même une finale et deux demi-finales en espace de 8 ans. Mais d'un autre côté, avec la situation actuelle au Burkina, est-ce que pour toi, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui au Burkina pour atteindre une Coupe du Monde, par exemple, une participation aux Coupes du Monde, ou on va dire le top niveau africain? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on a l'impression que le Burkina, c'est une terre de football, énormément de talents, mais il y a quelque chose qui manque toujours, un peu comme le Mali, pour atteindre ce niveau supérieur. À ton avis, où se situe ce delta? Bon, je pense que, vous savez, le football a beaucoup d'exigences, beaucoup, beaucoup d'exigences. Le Burkina, les Burkinabés ont beaucoup, beaucoup de caractère et une force mentale incroyable. On est un petit pays de 20 millions d'habitants, mais le football, c'est une passion, les gens. Bon, je dis souvent, au Burkina, on est 20 millions d'entraîneurs. Même moi, maintenant, j'ai arrêté de jouer et je suis entraîneur numéro un. Je donne mon avis, je critique, j'écris. Donc, vous savez. Et aujourd'hui, il y a des petites erreurs, bon, il y a des petits trucs qu'on doit changer. Maintenant, on apprend toujours, on finit jamais d'apprendre. Arriver à un certain niveau, à jouer la Coupe du Monde, comme le Togo l'a fait par rapport à Adebayor, comme Eladji Diouf qui était au Sénégal il n'y a pas longtemps, maintenant Sadio Mané, comme Mahrez.
Je pense qu'on doit avoir un joueur exceptionnel ou deux ou trois joueurs exceptionnels qui peuvent relever le groupe et l'équipe pour qu'on puisse atteindre un certain niveau. Je pense, bon, je n'enlève rien à ceux qui sont là. Hein. C'est des joueurs magnifiques, c'est des très très bons joueurs. Mais dans chaque équipe nationale, il faut un joueur exceptionnel. Un joueur exceptionnel qui peut porter tout un pays. Et pour le moment, je pense qu'on ne l'a pas eu. Charles, j'ai une question par rapport aux déclarations de Velud qui l'a fait il y a pas longtemps, qui disait que bien évidemment, lui, il voulait aller au bout. Alors là, je vois que dans l'effectif, il y a 11 nouveaux joueurs qui n'ont, enfin 11 joueurs qui n'ont jamais disputé de CAN au Burkina Faso. Et quand on voit les clubs où évoluent les joueurs dans leur ensemble, hein, c'est un peu quand même des clubs pas forcément de renommée. Quand on est capitaine, quand on est coach, comment on peut mobiliser les troupes pour pouvoir être à la hauteur des ambitions? Et est-ce que l'ambition de coach est réaliste ou un peu plus utopique, on va dire? Vous savez, souvent en Afrique, quand tu dis la vérité, on te traite bon, quelqu'un qui est contre le pays. Au début, quand le coach est arrivé, il a dit, et on n'est pas favori pour la Coupe d'Afrique. Et ils l'ont massacré de partout. Bon, il a changé de version maintenant. Il a dit, on va pour remporter la Coupe. Souvent, tu dis pour faire plaisir au peuple. Et je pense que le Burkina est un outsider. Parce qu'il y a des équipes bien plus grandes que le Burkina. Maintenant, il faut aller petit à petit, pas à pas, gagner match par match. Et en sachant bien que et toute l'équipe, on a 27 joueurs, tous les 27 ne vont pas jouer. Tous les 27, il y a peut-être 17 ou 18 que le coach pourra utiliser jusqu'à la fin. Maintenant, je pense que ce n'est pas par rapport au club où on joue qui est le plus important à ce niveau. C'est bien aussi de jouer à un très grand niveau. C'est vrai. Maintenant, être à un grand niveau, c'est autre chose. Maintenant, il y a le cœur qui joue aussi, il y a la passion et l'envie de se surpasser. Jouer une CAN, c'est pas rien. C'est une grande compétition africaine. Et maintenant, jouer contre l'Algérie, c'est un doublement motivant. On est plutôt d'accord, je pense, là-dessus. S'il y a des questions, les autres chroniqueurs, n'hésitez pas. Moi, je voulais poser aussi une petite question par rapport à ce qui se dit dans la presse au Burkina Faso, par rapport au système de jeu qui est mis en place. Alors, je vois que apparemment le 4-3-3 ne fait pas l'unanimité au Burkina, que beaucoup reprochent au coach d'être un peu un coach vieillissant. Et c'est vrai que quand on regarde dans les qualifs, le Burkina Faso a été très bon sur les trois premiers matchs où il a quasi assuré la qualif. Et après, ça a été un peu en dents de scie, voire même en déclin. Est-ce que tu peux te positionner par rapport à ça? Est-ce que tu as une idée? Le Burkina, est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe qui devrait jouer dans ce système-là? Est-ce qu'il y a plusieurs systèmes? Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport aux performances de l'équipe? Bon, je pense que les 10 ans que j'ai joué au Burkina, bon, mais pas 10 ans, j'ai joué combien? 16 ans, ou 17 ans, en équipe nationale, on a changé de système qu'une seule fois en match amical contre le Mali, où on a joué à 3 derrière. Mais ça a été une grosse catastrophe. On a perdu le match 3-1 ou 4-1. Nous, on a toujours joué en 4-3-3, avec une pointe basse ou avec 2-8. Donc, c'est un système que le Burkina maîtrise tellement qu'on a ça dans l'ADN, au fait. Et on sait le jouer, on sait d'entrée comment ça se passe, comment on va jouer, tout ça dépend du coach et comment il veut jouer, avec un 10 ou 110. Donc, ça varie. Maintenant, si le coach a un nouveau système qu'il veut jouer à 5 ou il veut jouer en 4-4-2, ou ça dépend du résultat, de ce qu'il veut obtenir, parce que si tu es mené, tu ne peux pas continuer à jouer en 4-3-3. Si tu as 10 contre 11, vous savez, le système varie. Chaque coach est différent. Maintenant, et c'est les tacticiens et les techniciens qui peuvent déterminer ce genre de système. Moi, j'aurais une question pour toi, Charles. Une question un petit peu. Alors, enfin, la fédération a choisi de jouer contre l'Iran le 5 janvier prochain.
Voilà, et ça, ce choix s'explique par rapport au style de jeu proche de celui de l'Algérie, déclare la fédération. Mais c'est pas tout à fait l'avis de Jamel Belmadi qui a déclaré que le seul truc qui ressemble à l'Algérie et l'Iran, c'était le maillot. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu Que penses c'était que. le Ouais, c'était le maillot. La couleur maillot, du maillot. La seule Il faut ressemblance. il faut de vert et blanc. Ouais, c'est presque le même maillot, mais voilà, c'est une petite vanne de Jamel, on le connaît, il aime bien. Bon, je pense que peut-être c'est pour jouer contre une équipe arabe, maghrébin, pour voir comment la mobilité, la technique. Et bon, c'est plus ça, parce que les Algériens, c'est un niveau au-dessus. On ne peut pas comparer les trucs. Bon, le Burkina doit jouer à sa manière et se battre avec ses armes, simplement. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un match amical, c'est plus pour donner de la confiance à l'équipe et savoir situer comment on va se comporter avec Bertrand ou sans Bertrand. Maintenant que Bertrand joue contre l'Algérie, c'est un plus qu'il ne joue pas les autres qui sont là. Et je pense qu'ils vont répondre présent. Charles, le Burkina se prépare en ce moment du côté de Dubaï. J'ai une question par rapport à ça. On a souvent ce débat-là un peu partout en Afrique. Est-ce que c'est bien de préparer une Coupe d'Afrique dans un pays qui n'est pas africain? Certains disent qu'il faut se préparer en Afrique avant une CAN. D'autres disent c'est pas grave et on peut se préparer ailleurs. D'autres disent on peut se préparer en Europe. Nous, on a un débat en Algérie sur le fait de se préparer au Togo. Certains disent que c'est pas bien, même si c'est à côté de la Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'il faut se préparer? Comment on se prépare? C'est quoi l'idéal pour un joueur de foot? Bon, moi particulièrement, à mon avis, c'est de se rapprocher au climat du pays qu'on joue le maximum possible. Parce que les matchs amicaux en préparation ne sont pas très, très importants. Parce qu'il faut travailler un peu le foncier pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup et dans les clubs. Parce que c'est important de se travailler physiquement. Mais quelle qu'en soit l'équipe que tu joueras contre, c'est des bons matchs amicaux. Tu joues contre un pays comme l'Algérie qui joue contre un pays du Togo, une équipe du Togo. Pour moi, c'est un bon choix. Mais s'éloigner le maximum possible du continent, pour moi particulièrement, c'est mon avis personnel. Je n'enlève à rien ceux qui se préparent loin. Et pour moi, à mon avis personnel, on doit s'approcher le maximum possible au climat où on doit jouer la compétition. Si je dois jouer en Côte d'Ivoire, je m'approche du Bénin, je m'approche du Gabon, Togo, et c'est les climats les plus proches de la Côte d'Ivoire. Mais aller à Dubaï, aller en Arabie Saoudite, je pense que c'est plus pour le marketing que pour et vraiment se préparer. Ça, c'est mon avis personnel. Ouais, Bilal. Pour conclure, Charles, j'aimerais te poser une question qu'on nous a posée dans le chat. Et ce serait un peu plus sur ta carrière personnelle ou en tout cas tes envies perso. Il y a un ancien coéquipier, Monsieur Aristide Vancé, qui a ouvert une académie en Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, ça serait quelque chose qui t'intéresserait pour la suite? Bon, je suis ouvert. Je suis ouvert. Vous savez, c'est tous les footballeurs finissent. Chacun essaie d'aller dans le domaine du football. Moi, j'ai choisi un autre domaine, mais bon, je suis lié au football de mon pays et amener mon expérience différemment. Maintenant, ouvrir une académie, c'est dans l'option des années à venir. Il faut que je prenne du temps pour moi, pour ma famille, de profiter de mes enfants. Parce que la vie familiale, quand tu es vraiment un professionnel, c'est pas évident. Tu vois jamais tes enfants, tu ne restes jamais avec eux, vous partez jamais en vacances. Et aujourd'hui, je vis à Nice. Et je profite de mes enfants à 200% et les amener à l'école, boire un petit café dans un kiosque simplement et profiter de la vie simple et vivre bien et jouer en foot en salle avec des amis proches. De temps en temps, je vais au Burkina. Donc, je profite de la vie pleinement maintenant. Charles, Charles. moi j'ai une dernière question si je peux, si je peux me permettre. Là, tu nous en as déjà dit un peu dit, mais quand même, quand on voit à quel point tu as l'air lucide et que tu pratiques pas la langue de bois, tu n'hésites pas à titiller un peu les choix qui sont faits et donner ton avis personnel. On a envie de se dire, mais pourquoi Charles Caboret, avec son expérience, avec sa carrière, la carrière qui a été la sienne, ancien capitaine du Burkina? Et finaliste du Burkina, donc avec le Burkina, pardon, donc meilleure performance avec l'équipe nationale. Comment Charles Caboret n'est pas au minima dans le staff technique
ou voir une place à la Fédé. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que l'opportunité ne s'est pas encore présentée? Vous savez, et bon, je pense que vous savez, le football, il n'y a pas que le football dans la vie, réellement. C'est bien de jouer au foot. J'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup de trucs. Bon, mais je me suis retiré un peu. J'ai eu quelques propositions de la fédération, de l'entourage. Je peux aider le football sans être proche, très, très proche de l'équipe. Parce que c'est des jeunes, ils ont besoin de s'exprimer eux-mêmes. Mon avis, tout le temps, parce que les anciens joueurs, ils ont tendance souvent à être étouffants, à être dans l'équipe, à vous donner leur avis. Moi, à mon temps, c'était ça. Moi, à mon temps, c'était ça. Je peux les supporter et les donner des conseils à distance. Et ça, c'est mon choix. Bon, je préfère rester à distance et les suivre. Je serai à la CAN. Je serai contre l'Algérie et je serai contre la Mauritanie. Donc, je vais les supporter à distance sans m'imposer et puis être oppressant. Parce que la plupart des joueurs qui ont fait un peu la carrière, et ils veulent coûte que coûte donner leur avis à chaque fois et intervenir dans le quotidien de l'équipe. Et ça, je pense pas que ça soit un bon choix pour quand ils ont besoin de conseils, on les donne positivement pour le bien du pays, simplement. Charles, dernière question et puis après on te libère. On a beaucoup parlé du Burkina, on a beaucoup parlé de l'Algérie. Est-ce que tu peux nous parler des autres grandes sélections? Qui sont les favoris de la CAN selon toi? Qu'est-ce qu'il faut attendre du Sénégal, de l'Égypte, du Maroc? Voilà un petit topo sur le foot africain en général et les grands joueurs aussi qu'on doit attendre pendant cette compétition. Le football africain a beaucoup, beaucoup évolué. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de binationaux qui sont nés en France, qui sont nés dans d'autres pays, qui rejoignent leur sélection nationale maintenant, sachant bien que... Il n'y a pas beaucoup de place en Europe. Souvent, c'est compliqué au début, vous les approchez, et après, ils reviennent. Bon, c'est bien pour l'Afrique, techniquement, et ça relève le groupe. Maintenant, si je pars par rapport à mes favoris, bon, si je vais citer tout le monde, hein, et sans enlever une équipe, mais bon, le Mali reste à confirmer, parce que le Mali, ils font une bonne performance pendant les éliminatoires, mais quand ils arrivent à la CAN, je ne sais pas, ils s'écrisent, ils n'ont pas ce plus-là pour ce... Tout le monde les attend pour qu'ils donnent encore plus, parce que l'équipe malienne est tellement... Il y a tellement de talent dans cette équipe que c'est incroyable. Et maintenant, bon, moi, je voyais l'Afrique du Sud aussi, parce que moi, je n'ai pas été un joueur habile, vraiment, juste plus physique que technique, et j'adore une équipe technique, j'adore la technicité. Bon, mon joueur préféré, c'est Lionel Messi. Et quand je vois l'Afrique du Sud jouer, c'est une cohésion incroyable. Ils ont une très bonne équipe. Le Maroc, très bonne équipe. L'Algérie, bonne équipe, avec des nouveaux joueurs, bon, comme Aouar, que j'ai cité au début, que j'aime beaucoup. Bon, et il y a la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur. Je pense qu'eux, ils ont là la pression supplémentaire de performer dans leur propre pays. Et il y a le Sénégal qui doit reconfirmer encore parce qu'ils ont déjà gagné. Il faut qu'ils confirment. Il y a le Cameroun. Bon, le Cameroun, vous savez, comme les Camerounais disent, même si on prend les vigiles d'un magasin, on les met, dès qu'ils portent le maillot camerounais, ils deviennent des champions. Maintenant, il y a qui d'autre encore qui... Et je n'ai pas cité l'Égypte. C'est incroyable que cette équipe, chaque CAN, ils ne prennent pas plus de 3-4 buts. C'est incroyable. Depuis les 10 dernières années, à chaque fois qu'ils viennent à une CAN, ils jouent minimum les demi-finales ou la finale. Sauf s'ils ne sont pas dans la compétition. C'est une équipe très, très dangereuse parce qu'ils n'encaissent pas. Et ils peuvent prendre beaucoup de coups et à la fin, ils vont gagner au tir au but. Donc, l'Égypte a vraiment, vraiment surveillé. Charles. Merci à toi, Charles. Adeline, peut-être un dernier mot. Écoute, Charles, merci beaucoup pour ta franchise. On t'invitera peut-être après le match contre le Burkina. Là, nous, on va rentrer au vert et toi aussi. On va pas être copains pendant quelques semaines. Et puis, on essaiera de se revoir mais, après le match. Dis-nous rien que juste... le sport. Ouais, exactement. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir répondu aussi. Non, merci encore à vous. Aussi franchement aux questions, sans langue de bois. J'aimerais juste que tu nous dises qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charles, parce que tu es un peu marginalisé au niveau de la CAF. Je trouve qu'on voit trop les mêmes têtes à chaque fois, sans les citer, mais on les connaît tous. OK, ça a été des légendes. OK, ils sont respectés en Afrique. Mais il y a des gens comme toi qu'on aimerait aussi
peut-être voir un peu plus souvent. Tu es quand même un grand nom du football africain. Merci Qu'est-ce qu'on beaucoup. pourrait te souhaiter pour l'avenir proche? Mais simplement dire merci à la CAF parce qu'ils m'ont invité à la dernière à la dernière cérémonie au Maroc, à Marrakech, du Ballon d'Or africain. Et donc j'ai été au Togo aussi pour UEFA. Donc comme je n'avais pas arrêté totalement, maintenant ils savent que j'ai arrêté, ils vont m'inviter très souvent. Merci Eh ben encore magnifique. de votre considération. Magnifique, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Merci Charles. Charles. Merci beaucoup. Merci Prenez Charles. soin de vous. Toi Et aussi. bon, on se retrouve après le match contre l'Algérie. Après le match. Que le meilleur Bonne gagne. CAN. Salut. Merci. Merci. C'est time. Hein. Merci. Au Au revoir. À bientôt, Charles. Bientôt, au revoir. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a tous apprécié, hein, en regardant même le chat, je pense qu'on n'a pas été les seuls à avoir aimé beaucoup ce moment. Très Sincèrement, bel c'est invité. très Très bel rare. invité. Ouais. Très bien invité, ça a été un mal pour un bien, pour le coup, d'avoir un ex-joueur et pas n'importe lequel. Hein, au Burkina, c'est quand même une légende là-bas, si ce n'est la plus grosse légende. Il a peut-être répondu plus franchement que si on avait eu le coach Velud au final. C'était les Donc c'est un mal. commentaires de certaines personnes dans le chat, hein. Ils ont dit Ouais, heureusement qu'il a annulé. bah ouais, c'est un mal pour un bien. Je crois qu'à l'unanimité, on s'est attaché au personnage. C'est quelqu'un qui répond. Il est pertinent en plus quand il dit des choses. Il est plutôt posé. On a envie de l'écouter. Franchement, bravo, merci, merci à toute l'équipe de C'est vous l'expert d'avoir invité en dernière minute ce personnage qui est Charles Cabouret qu'on adore. Eh ben, on remercie encore une fois les gars dans le chat. Vous pouvez remercier Monsieur Yanni On lui Abdelli. dira juste quand Merci même, Yanni. Merci Charles, Yanni. si tu nous écoutes encore, l'Iran, c'est ni un pays arabe, ni dans le Maghreb. Mais Ouais, mis ça à part ça, t'as fait un j'ai bon eu coup. peur. J'ai eu peur qu'il y ait un début de guerre mondiale, hein, sur ce petit Non, 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 commentaire. non. Non, 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 c'est pas ça va, grave. Bilal. On a des rapports quand même assez stratégiques avec l'Iran. Donc Bah, ça je n'aurait sais pas bien, posé de c'est bien. soucis là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Les gars, avant d'enchaîner, si vous avez une chose à retenir de cette petite interview, est-ce qu'il y a une chose qui vous a marqué le plus dans son intervention? Moi, je pense son Sa intégrité, prise. il a pas hésité à se mouiller, notamment sur le choix après la question de, je crois que c'est Zahir qui lui a posé la question, qui était limite une question pas piège, mais presque. Hein, il a pas hésité à dire que lui, perso, il n'aurait pas du tout choisi cette destination, Ouais. que c'est peut-être mieux. Ouais, donc c'est bien parce que en fait, on arrive à avoir des choses. Bah, tu vois, le mec, il prend pas le parti de sa fédé. Et moi, j'aime bien aussi les gars quand ils parlent, tu vois, de la préparation. Ils commencent l'interview en disant que c'est hyper important la préparation avant les matchs. On en parle souvent ici de la cohésion de groupe, comme c'est important. Le premier jour, ils parlent du premier jour, d'un regroupement, ce qui va se passer le premier jour, qui peut être carrément, ça va marquer le synopsis de tout ce qui va se passer presque pendant la compétition. Donc c'est bien d'avoir ce genre de témoignage. C'est des choses que nous, on n'a pas forcément là. L'habitude de vivre en tant qu'être humain, donc c'est bien d'avoir ce côté inside qui peut nous éduquer aussi, hein. Donc moi j'ai trouvé son intervention très très bien, très sympa. Merci à Adeline. Les gars, en parlant justement d'Inside, on était sur le sujet de la liste et pour la conclure très rapidement, on a eu un insider. On a eu un insider qui était présent à la conférence de presse, c'est Monsieur Nazim Madine Algeria. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de très rapidement pour conclure hein, sur le sujet, comment t'as trouvé l'ambiance, comment était l'environnement et un commentaire sur les journalistes et sur Belmadi aussi. Écoute, Bilal, ouais, je suis arrivé à quelques minutes de retard, mais finalement, je n'ai pas raté l'essentiel. C'est vrai que je trouve que l'ambiance était plutôt apaisée, studieuse, globalement. Il n'y avait pas d'animosité, on va dire, qu'on peut percevoir habituellement dans ce genre d'exercice. On connaît un peu l'historique entre Belmadi et certains journalistes, on va dire des gros noms du journalisme sportif algérien, qui, d'ailleurs, ça m'a un peu, Yanni pourra peut-être le confirmer, certains noms étaient absents quand même de la conférence de presse qu'on connaît au niveau des cercles médiatiques. J'ai plutôt vu des jeunes pigistes, des jeunes journalistes qui arrivent, qui émergent de plusieurs chaînes nationales ou privées.
J'ai trouvé ça pas mal, ça donne un coup de lifting aussi hein, à la profession et puis un rajeunissement un peu progressif aussi du métier de journaliste sportif en Algérie, qui n'est pas toujours évident, il faut le dire aussi. Donc, il faut aussi apporter notre soutien à nos confrères et consoeurs qui font ce métier-là. Maintenant, globalement, j'ai senti, moi, une ambiance plutôt studieuse, mais j'ai été déçu, je vous le dis, en toute franchise, hein, tu connais Bilal, j'ai pas la langue de bois là-dessus. J'étais peut-être déçu par le contenu de certaines questions et parfois par une certaine redondance. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Il y en a certains qui sont un peu pris par le trac, d'autres qui sont un peu pris un peu par le personnage aussi. Parce qu'être en face de Belmadi et lui poser une question, c'est pas forcément un exercice facile pour tout le monde. Donc, il peut y avoir parfois des questions redondantes, des répétitions sur des sujets pour lesquels il a déjà répondu. Donc ça, je trouve que c'est une problématique parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que entre gens de la même profession ou de la même corporation, on ne s'entend pas et on ne s'écoute pas suffisamment. Ça, je pense qu'il devrait y avoir peut-être un exercice, un travail là-dessus au niveau des responsables médiatiques pour corriger ça. Ça, c'est mon premier point. Là, j'apporte ma modeste observation extérieure. Le deuxième point, c'est que je trouve que Belmadi, néanmoins, avec le au fil des années, il a réussi quand même à mettre une barrière que je trouve parfois à sa décharge importante pour lui parce que ça, il se protège quelque part. Mais nous, on reste sur notre faim aussi parce qu'on a l'impression que certains journalistes se retiennent de poser des questions parfois qui peuvent peut-être fâcher ou qui peuvent peut-être un peu le titiller, surtout sur l'aspect technico-tactique, sur l'aspect parfois un peu coulisses de cette équipe nationale. Et comme vous le savez, maintenant, on vit dans un environnement médiatique qui est quand même assez fort, assez. Il y a Internet, il y a la bulle spéculative, etc. Donc, l'information va très vite. Donc, je suis un peu déçu quand même par le contenu globalement parce que je me dis que on aurait pu poser certaines questions quand même importantes avant cette CAN et avant ce stage. Et on ne les a pas posées. Sur l'aspect technico-tactique, sur l'aspect préparation, sur l'aspect choix de certains joueurs, il fallait oser, il fallait lui poser la question. Certes, en mettant les formes parce qu'on connaît le personnage, mais. Il est important, je pense, de lui poser les bonnes questions et de savoir les poser. Parce que je pense que Belmadi y répond lorsqu'il sait qu'il a affaire peut-être à quelqu'un qui va lui poser une question qui reste dans le contenu, qui n'est pas redondante, qui va parler d'un joueur ou d'un X ou d'un Y. Donc c'est un peu ça. Sinon, Nazim. globalement, bah, oui. Ouais, Oui. rapidement, juste 30 secondes pour conclure et ensuite Globalement, on sera à la suite. j'ai trouvé quand même l'interview assez intéressante. Modestement, je pense qu'on a pu à la Gazette poser la question quand même sur des choses plutôt factuelles, sur liées aux adversaires qu'on va rencontrer. Et j'ai bien aimé la réponse, hein, puisqu'il lui, il a clairement parlé d'adversité. Il a besoin d'avoir des adversaires qui vont nous donner du fil à retordre, mais tout en mettant quand même des limites par rapport à l'agressivité, parce que on est déjà à 25 hein, au lieu de 27. Donc, ça serait quand même bête d'avoir encore d'autres joueurs blessés au cours de ces deux matchs. Donc, je pense qu'il a répondu. Et puis, sur la première question, moi, j'ai trouvé quand même pas mal sa reconnaissance hein, sur les déficits qu'on a sur certains matchs, notamment ces derniers temps, et l'absence d'un bloc qui, pour moi, aujourd'hui, est la principale interrogation qui anime les fans algériens avant cette CAN, l'esprit de 2019. Donc, je me suis dit, c'était bien quand même de relancer un peu le sujet, et puis j'étais assez content de sa réponse. Il a reconnu, effectivement, que ce bloc manquait, que défensivement, on avait des errances, et qu'ils allaient justement travailler là-dessus et qu'ils étaient en train déjà de travailler là-dessus. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, Inch'Allah, j'espère que ça sera mis maintenant sur le terrain de la réalité, que ce stage au Togo, globalement, va permettre de consolider le groupe et de recréer un peu cet esprit groupe, cet esprit Nazim. commun en 2019. Ça, Nazim. Nazim, d'ailleurs, une info, hein, une info assez importante, les gars, vous allez m'en parler. Une info, c'est une sortie de coach Belmadi sur Guiri. On avait des infos un peu plus détaillées de ce qui s'est passé en interne. Donc apparemment, ce serait réellement une blessure. Ce serait réellement une blessure, mais il y a plusieurs petits à côté. Il y a plusieurs petits à côté. Et Belmadi parle. Zahir, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce qui a été transféré par d'autres journalistes en interne? Ouais, en fait, Belmadi s'est exprimé sur cette blessure et la déclasse. Et apparemment, il n'arrivait pas à dépasser plus que ça cette douleur. Donc, on l'a libéré. Donc Évidemment, c'est Belmadi qui parle. Hein. Belmadi qui parle, c'est l'équipe qui sort cette déclasse. Ça devait être à l'arrivée à l'aéroport ou je sais pas. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que effectivement, il y a bien une blessure. Donc, les infos de la Gazette sont bonnes. Mais ce que sous-entend Belmadi en filigrane, c'est que
il aurait peut-être pu serrer les dents, forcer, etc. Et qu'il n'a pas voulu, pas pu, pas su, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais en tout cas, ils n'ont pas été au bout de leur idée et du coup, bah, ils ont préféré le libérer pour éviter tout souci. Ouais. Vous, pour vous, par exemple, Adlen, on sait que c'est un défenseur. Un défenseur du fonctionnement on va dire de certains joueurs et de certaines choses qui peuvent on peut avoir une vue différente à l'intérieur. Pour toi, est-ce que tu comprends qu'on puisse reprocher à un joueur de ne pas avoir assez forcé sur une blessure? Parce que apparemment, c'est ce qui retient, c'est ce que reproche Djamel Belmadi. Assez forcé, je sais pas comment, je sais pas exactement si on peut lui reprocher simplement. Dis-moi, parce que j'ai pas. Excuse-moi, qui a son importance sur le. Apparemment, la déclaration de l'équipe est bonne, sauf le premier mot, ce ne serait pas apparemment, mais ce serait bizarrement, selon la Gazette du Fenech. Donc, bizarrement, il n'arrivait pas à passer plus que ça, cette douleur. Forcément, ça prend confusion, interprétation. Je te laisse la parole à deux. Donc, la question était bien visée. Ouais, donc est-ce qu'on sous-entend que Guiri, on va dire. Consciemment, il a voulu esquiver cette canne. C'est ça un peu la question. Je sais, j'ai... En tout cas, il n'a pas voulu trop se battre pour y être. Ouais, bah écoute, à confirmer. Si c'est vraiment le cas, je trouve ça très dommage. Parce qu'en plus, il a été contesté par pas mal de personnes. Donc, si en plus de ça, il simule ou ne fait pas d'effort pour être absolument là, est-ce qu'il n'a pas appris à un moment donné qu'il serait le choix numéro 2, voire choix numéro 3? Et que du coup, il a préféré partir, j'en sais rien. Mais en tout cas, si réellement il aurait pu faire un effort pour rester et potentiellement jouer, là on a un Benzema inversé, ça voudrait dire là, c'est que on a un cas Benzema inversé. Donc non, je sais pas. Benzema, c'est plus compliqué que ça, donc. Ouais, bon après. De ce qu'on sait ou pas savoir, j'en sais rien. Bah, c'est le staff qui n'en voulait pas. Là. Du coup, c'est lui qui ne voulait pas trop être dans la sélection. Et du coup, ce que ça sous-entendrait, hein, après vous m'arrêtez et vous me dites ce que vous en pensez, mais du coup, ce que ça pourrait sous-entendre, c'est que ce serait un accord avec Rennes ou en tout cas que lui aurait fomenté un peu cette histoire. Il l'aurait monté en épingle pour arriver à ce résultat, d'avoir une bonne excuse de quitter la sélection. Ce serait peut-être une idée. Pour moi, oui, Pénel, ça voudrait dire, quand on lit les déclarations sur l'équipe, on reprend l'équipe qui dit qu'apparemment il n'arrivait pas à dépasser plus que ça cette douleur, donc on l'a libéré. Il y a de l'amertume quand même dans ces propos, et il y a surtout, je pense aussi, chez Belmadi, un esprit commando avec cette équipe. Contrairement à 2021, j'ai l'impression que là, il est plutôt sur des vertus de 2019. En tout cas, je l'ai senti un peu comme ça dans sa conférence de presse. Il a besoin de guerriers, de gens qui vont y aller à 1000%. Quand il s'est attardé sur le cas de Bounedjah par rapport à 2019, ça vous dédire beaucoup de choses. Il parle de combativité, il parle aussi d'engagement. Il l'a souvent dit aussi à Slimani là-dessus, qu'il a cité comme exemple par rapport à ça. Je pense qu'il a besoin de guerriers. Et Belaïli aussi fait partie justement de ces gens-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a peut-être dans son esprit considérer que celui qui était 1% ou 2% pas prêt à jouer cette canne, pour X ou Y raison, ben il fallait peut-être pas qu'il y aille. Donc je pense que c'est peut-être certes, Guiri est souffrant et donc on l'a libéré, mais je pense qu'il aurait pu attendre quand même les 15 jours du stage du Togo pour pouvoir être libéré. Ce n'est pas le cas. Donc ça voudrait dire qu'il veut vraiment du fighting, des gens qui vont aller tout au combat, dès le premier stage du Togo, dès le premier jour du Togo. Ça ne vient pas de Belmadi, ça. Si on voit la décla, ce que ça sous-entend, c'est que c'est Guiri qui n'aurait pas voulu faire. Oui, bien sûr. Justement, Zahel, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, Belmadi veut des gens engagés d'emblée. C'est-à-dire, douleur ou pas, tu y vas, tu combats la douleur, et puis tu vas là. Voilà. Bien sûr, il ne va pas risquer avec la carrière du joueur. C'est pas ce que je dis. Mais je dis juste qu'il a besoin peut-être de fighters, de joueurs qui sont déjà prêts à aller au combat dès le stage du Togo. Awar. Point d'interrogation encore une fois parce que alors juste une chose Nazim juste il y a l'équipe derrière là de la Gazette qui nous dit que apparemment le bizarrement il serait plutôt à l'encontre de Rennes plutôt que à l'encontre de Guiri hein. Oui. Donc ouais apparemment le bizarrement il invectiverait plutôt Rennes que Guiri. Oui donc voilà à voir après Bilal
le vrai baromètre, ça sera les prochains matchs de Rennes. Du coup, les gens vont se projeter sur les prochains matchs de Rennes et voir si Guiri va jouer dans 10 ou 15 jours avec le Stade Rennais. Et là, effectivement, s'il rejoue, on lui souhaite bien sûr de rejouer. Mais s'il rejoue, bah, forcément, ça va enfler la polémique. Ça, c'est clair. Oui, mais s'il n'a pas envie de se battre, imaginons qu'il n'a pas envie de se battre pour être présent en sélection. Le coach, il peut le rebalancer à son club, alors qu'en réalité, il savait très bien qu'il pouvait être disponible dans 2 semaines. Donc, peut-être aussi que Belmadi, par fierté, il n'a pas voulu aller plus loin avec le joueur. Donc, ça ne choquerait pas qu'il reprenne les terrains dans 2 semaines. Oui, c'est pour ça que je dis, il a peut-être besoin de fighters, de joueurs qui vont aller au charbon tout de suite, dès le premier jour du stage, sans se poser de questions. Je pense que c'est plutôt lié à ça. Après, bon, seul l'avenir nous le dira. Ouais, les gars, on va pouvoir avancer et bon, passer à la team DZ. La team DZ, c'est l'actu des Fennec. Il y a eu des matchs, il y a eu des rebondissements, il y a eu des choses qui se sont passées et un certain Saïd Benrahma, pour qui ça va pas très bien, pas au top dans sa carrière. Il y a des performances qui sont compliquées. Il n'est pas appelé pour aller à la CAN. Et pour clôturer tout ça, on parle d'un transfert loin de la Première Ligue, surtout avec des clubs de Ligue 1. Bon, des gros de Ligue 1, mais voilà, ce n'est pas la Première Ligue. Est-ce que ça ne ressemblerait pas, les gars, au début de la fin? Qu'est-ce que t'en penses, Yanni? Début de la fin, ouais, peut-être, hein, parce que déjà, ça fait longtemps. Déjà, on ne le reconnaît plus sur le terrain, c'est plus le même Saïd Benrahma qu'on a connu notamment en Championship, en deuxième division anglaise. On ne voit plus la technicité, le jeu, tout ce qu'il apporte sur le terrain, on ne le voit plus. Après, en équipe nationale, on lui a toujours donné sa chance, mais il n'a pas su en profiter. Donc, moi, peut-être, j'aurais été de l'avis de l'appeler peut-être une dernière fois en équipe nationale pour le voir à la CAN. Mais je ne pense pas que Jamel Belmadi va le rappeler, surtout que ce qui s'est passé dernièrement, on a vu l'échange et tout. Donc, je ne pense pas qu'il va être rappelé. Peut-être c'est le début de la fin, oui. Adeline, toi, pour toi, début de la fin ou pas? Est-ce que ça pourrait y ressembler? Début de la fin, c'est-à-dire en équipe nationale ou avec West Ham? Équipe nationale, carrière, en gros, que ce soit la chute, que ce soit voilà, la descendante, la pente descendante. Ouais, non, il a quel âge? Il a 28 ans, Benrahma. Bon, après, il traverse une passe un peu difficile, même en club, bien que il soit rentré. Là, ça a été quand même le premier changement. Il y a une blessure, c'est lui qui rentre, hein. Pas comme s'il était aussi non plus à la cave. Il rentre, il fait un match plutôt solide. Ils amènent une magnifique victoire en plus. Certes, il loupe un penalty, mais c'est limite accessoire vu le résultat. Donc, début de la fin, possible ou pas, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, parce que ça va tellement vite dans le foot. Je pense qu'il est temps pour lui peut-être de partir, parce que s'il n'y a pas de changement de coach à West Ham, je le vois mal récupérer sa place de titulaire. Est-ce qu'il est, il est peut-être temps de partir maintenant? La question, c'est partir, oui, mais partir où et avoir quel statut là où tu vas. Donc, on verra durant ce mercato. Je pense qu'il est peut-être temps pour lui, à son âge, d'aller voir ailleurs. Moi, si je devais choisir une destination, j'aimerais bien le voir en Allemagne. Ouais. Ok. D'ailleurs, on va aller plutôt du côté de l'Italie. J'ai une petite question à te poser à toi, personnellement. Il y a Bennacer qui enchaîne. Il a enchaîné les derniers matchs pendant le mois de décembre, d'ailleurs. L'AC Milan qui voulait, hein, qui participe au match de Coupe d'Italie, je crois que c'était demain ou après-demain, quelque chose comme ça. Mais finalement, la sélection et le sélectionneur ont fait droit, ont utilisé leur droit pour le rapatrier à partir du 31. Du coup, il a enchaîné. Il a un niveau qui est un minimum compétitif. On a vu quand même ces matchs contre Salernitana, par exemple, où on a vu qu'il y avait de la qualité. Est-ce que pour toi, il est dans un état satisfaisant? Est-ce que la mission est accomplie pour le retour de M. Ismaël Bennacer?
Ouais, je pense que les feux sont ouverts globalement parce qu'il a déjà d'une part repris la compétition. C'est pas comme si on convoquait un joueur qui n'avait pas repris, qui n'avait pas joué. Il a joué, il est rentré d'abord, puis il a eu droit à une titularisation. Il a été bon en plus dans ses entrées, dans cette titularisation. Donc les feux sont ouverts. Encore une fois, il y a le profil du joueur aussi à prendre en compte. C'est un jeune joueur qui a à peine 27 ans, 26 ans. Il a une bonne hygiène de vie. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'entraîne beaucoup, qui fait beaucoup de préparation invisible, tout ce qui est travail invisible. Donc voilà, et je crois qu'il est même revenu un peu avant le délai qui était initialement prescrit par les médecins italiens. C'est la preuve de son sérieux, de sa rigueur. Concernant le choix de Belmadi de le rapatrier avant ce match du 2 janvier, très franchement, parfois, moi, je pense qu'il faut savoir lâcher du lest avec les clubs. Mais là, il a joué il y a 2 jours. Et surtout, ça aurait un peu tout chamboulé. Il y a l'équipe qui partait aujourd'hui au Togo ensemble. On a vu, je disais, Charles Caboac, les premières heures, les premiers jours où ça crée de la cohésion. C'est important qu'il soit là, c'est important qu'il soit sur ce vol-là. C'est important qu'il soit pour prendre ses marques au niveau de l'hôtel, au niveau de l'arrivée, etc. Et puis voilà, que le stage commence. Donc non, moi je suis plutôt positif. Et encore une fois, on n'oublie pas une chose, c'est qu'on a 7 milieux de terrain, dont 7 joueurs bons, voire très bons. Si Benacer a des petits soucis, ben, on a des alternatives qui sont peut-être pas d'aussi bon niveau, mais quand même d'un certain niveau. Donc on n'a pas à craindre. Voilà, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Merci à toi, Zahir. D'ailleurs, une petite info hein, de C'est vous l'expert qui nous dit le Milan AC a levé le droit, le conserver jusqu'au 3 janvier, et la FAF ne pouvait rien faire. C'est le joueur qui a insisté et a obtenu sa libération dès le 31. Donc, c'est le joueur qui a poussé. Respect. De Ne toute nous façon. étonne pas de Benacer. Hein? J'ai dit Ça comme ne nous étonne d'avant. pas de Benacer. C'est ça, c'était la conclusion. C'était le Ismaël Benacer. On sait que il y a toujours une seule direction, c'est tout droit, avec la sélection. Donc, inchallah, on est toujours satisfait. Les gars, il y a un autre en Angleterre. On repart du côté de la Première Ligue avec un joueur qui a fait ce qu'on peut appeler ça une masterclass. Je ne sais pas si on peut appeler ça une masterclass, mais en tout cas, un joueur qui est sorti sous les ovations, c'est Monsieur Ait Nouri, qui finit sa mi-saison avec l'ovation de son public. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait oser compter sur une grande canne de Monsieur Ait Nouri? Yanni, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il en a les armes. On l'a vu, il évolue dans le meilleur, enfin personnellement, hein, il évolue dans le meilleur championnat du monde. Donc on l'a vu, il joue très bien et je pense qu'il a le profil pour jouer en Afrique. Ouais. Fais attention, hein, parce que tu sais, là, je t'ai posé une question piège. C'était de savoir s'il pouvait faire une grande CAN. Il faut savoir que là, il y a une parano chez nous, les Algériens, c'est que actuellement, pour la CAN, on n'a rien le droit de dire de positif sur Non. Non, C'est c'est toujours quelqu'un, tempéré. c'est quelqu'un qui a clairement le potentiel pour faire une grande CAN et même, je dirais même, une grande carrière en équipe nationale. Après, c'est quelqu'un qui a des qualités qui peuvent vite se retourner contre lui, bizarrement, parce que c'est un joueur très technique qui ose. Donc, on aime voir ça, les joueurs qui osent, mais on se connaît. Il va oser une fois, deux fois. Quand ça passera plus, on va commencer à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à à moitié plein. Et je pense que c'est un joueur qui a vraiment une énorme carte à jouer dans cette équipe nationale. C'est dommage parce que on sait toujours pas avec qui il va être associé sur son côté gauche, donc et dans quel système, dans quelle animation. Donc ça va être aussi compliqué de se prononcer par rapport à ça. Mais si on prend le joueur intrinsèquement, c'est un super joueur et en plus il est à l'image de ce que je disais un peu avant par rapport à Ben Rahma, le foot ça va vite. Il faut pas oublier qu'Ait Nouri, avec son coach avant, il jouait quasiment pas. Ouais. Et puis là, il est en train de s'imposer comme un titulaire indiscutable dans cette équipe qui en plus revient bien. Donc voilà, il faudrait, il faut mettre en avant ses qualités et son envie et son retour au premier plan. Mais il faut quand même garder en tête que ses qualités, les qualités qui sont les siennes, peuvent en Afrique se retourner contre lui. Adla, juste Bilal, juste pour compléter là-dessus sur Oui, Ait vas-y. Nouri, ce qui me rassure avec Ait Nouri, c'est qu'il arrive à faire le travail défensif encore
d'une façon plus importante, je trouve, qu'à ses débuts, il y a quelques mois. Je trouve qu'il s'est encore, il a encore plus consolidé son jeu. Et puis, pour cette CAN, globalement, j'ai envie de vous dire que sur le côté gauche, je suis assez confiant, Inch'Allah, et j'ai même bien peur que le jeu penche inconsciemment sur le côté gauche. Parce que à gauche, on a de la qualité, on a des joueurs en forme. Et à mon avis, je ne sais pas si je crains fort aussi. Je pense que ça peut être une bonne chose que le jeu penche plus du côté gauche. Parce que c'est sur le côté droit, je m'inquiète un petit peu, vu la forme de certains cadres. Ah, Ah, il Nazim faut est payer les factures, Nazim. Vous avez un mot, dans les bouchons Nazim? Nazim, quelque chose à rajouter sur Aït Nouri? que ça va donner Zahir? Zahir? pour la suite. Ouais, sur Aït Nouri, voilà, si je dois mettre un bémol, parce que tout le monde s'enthousiasme sur Aït Nouri et j'aime beaucoup ce joueur, mais il prend parfois des risques un peu démesurés et il faudra faire gaffe parce qu'en Afrique, la qualité des terrains, c'est pas la même. Là, les joueurs sont un peu plus roublards, etc. Donc, j'espère qu'il se transforme pas, il passera pas de héros à zéro, mais qu'on critiquera parce qu'on a encaissé un but sur une petite sucrerie de sa part. Donc, Inch'Allah khair. Ouais, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Je suis partagé. Moi, j'ai pas la même info que l'histoire du 3 janvier. Pour moi, les dates de libération des joueurs, c'est le 1er janvier, les amis. Donc, il a été libéré C'est par le ça. Milan parce qu'il est libre. Je n'y crois pas du tout à cette théorie d'un club qui libère avant parce que l'équipe nationale est gentille. Moi, Ouais. personnellement, c'est ce que j'avais lu. Donc, écoutez, il y a l'équipe derrière. La Benadi, semaine on peut dernière, je savoir me qui suis fait taper sur les doigts. Je vais taper sur l'équipe, hein, si eux aussi Et se portent aussi mal. pour Belmadi, parler, pardon. il l'a dit en conférence de presse. Hein. C'est Niet, hein. C'est lui qui a dit Niet. Ah, ok. D'accord. D'accord. Je veux le joueur pour le stage. Il n'y a pas En tout de sujet. cas, je veux le joueur pour le stage parce que la date FIFA le lui permet. Mais ce n'est pas par gentillesse du Voilà. Milan. Ouais, je Non, pense non, non. qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus. Après, pour en revenir à Aït Nouri, et je crois avoir vu un Rapidement, commentaire. rapidement, Adeline. Ouais, rapidement, parce qu'il y a un commentaire qui a circulé dans ce sens et j'en avais déjà parlé avant. Moi, j'hésiterai pas. Après, c'est la CAN, il l'a pas fait avant. Il aurait dû, je pense, à faire monter Aït Nouri d'un cran et le tenter un cran au-dessus lors des matchs qu'on a joués. Après, est-ce qu'il osera le faire pendant la CAN? Je sais pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'il veut pas remplacer Gouiri parce qu'il a cette option-là dans ses joueurs. Les gars, on va pouvoir repartir sur le continent très rapidement parce que c'est vrai que on a pris un peu trop de plaisir avec Monsieur Charles Caboret. Donc il y a un timing à respecter et là on est un peu hors timing. On va faire ça très rapidement. Direction le continent Foot Africa. Les listes qui tombent presque toutes et pour cette CAN, il y a déjà des surprises, des absents, des blessés. Des gros noms comme Monsieur Partey du Ghana. Il y a aussi, par exemple, Wilfried Zaha, qui n'est pas présent dans la liste de la Côte d'Ivoire. Il ne sera pas présent à domicile avec son pays organisateur. Et il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qu'on peut Choupo-Moting. citer. Choupo-Moting. J'ai aussi Terem Mofi qui ne sera pas Nigérian. présent. Ouais. Nigérian. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui peuvent changer? L'image du tournoi ou voilà. Est-ce qu'il y a quelques joueurs comme ça qui peuvent changer toute la réalité du tournoi? Je pense. Ouais, Nazim? Je ne pense pas, Bilal, parce que ce n'est pas des joueurs non plus, à part Partey, effectivement, du Ghana. Je ne vois pas dans cette liste-là de joueurs des noms qui ont percé sur le continent sur plusieurs CAN de suite. Tu m'aurais dit Charles Caboret, oui, là je t'aurais dit oui, parce que c'est un grand nom de la CAN et qui a roulé sa bosse sur plusieurs compétitions de la CAN. Là, c'est plutôt des joueurs, on va dire en majorité plutôt, je dirais jeunes. Il y a, je crois, Mejele de la Tunisie aussi qui ne sera pas là, Ouais, qui lui, par Hannibal, contre, a du ouais. vécu. Qui Ouais, lui Thomas a du Partey. vécu en CAN. Lui, on peut considérer quand même que c'est un nom important de la Tunisie qui n'est pas là. C'est lui qui a Et Nazim, refusé, il me semble, hein. ouais. Et Nazim, si tu me permets, d'ailleurs, Oui, ce qui s'est passé à Zaïre, oui, comment? c'est lui qui a refusé Mejbri parce qu'il a un peu de temps Oui. de jeu à Manchester United et qu'il ne peut pas partir. C'est Voilà. ça. Oui. Et je pense que là, on est sur un cas, si ça s'était passé en Algérie, alors Ah, ça, ah bah là, c'est la place publique, hein. C'est là. clair. C'est pas. Alors là.
C'est pas, c'est, on n'a pas la même. C'est là où on se rend compte qu'on est vraiment algérien. et là-dessus, on badine pas avec ça. Non, non, mais c'est vrai que Mejbri, c'est vrai qu'en Algérie, si c'était passé, je pense qu'il y aurait eu vraiment autre chose, un autre débat. Après, bon, voilà. Chacun a ses raisons, on ne va pas commenter les choix non plus des uns et des autres, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, pour moi, ce n'est pas des noms qui vont influencer sur le niveau de la CAN globalement, ou peut-être Choupo-Moting quand même à un degré moindre parce qu'il joue au Bayern et qu'il a quand même une carte de visite, quoi qu'on dise, mais quand on voit le Cameroun actuel, voilà, ce n'est pas pour moi non plus l'absence, entre guillemets, de la CAN. Ouais. Et pour Thomas Partey, la plupart, ouais. À part Mofi, mais... Thomas Partey était déjà blessé à Arsenal, il n'a pas joué toute la saison. Oui. Et les gars comme Brahim Mejbri, mais on parlait de Choupo-Moting. Choupo-Moting, il y a plein de fois, comme Matip, vous avez refusé la sélection parce que ça les arrange pas, sont en plein milieu de la saison. Ils viennent un peu à la carte quand ils veulent. Hein. C'est ça. Après, c'est vrai que la sélection camerounaise, c'est un peu spécial. La gestion, on se rappelle la gestion, par exemple, du cas de Onana. Il y a plusieurs cas comme ça avec la fédération. Où il y a beaucoup de choses en arrière-plan. Donc voilà. On va pouvoir continuer, les gars, avec le dernier sujet. Mais en tout cas, une petite parenthèse, Bilal, ouais. Désolé de te couper, mais il faudra quand même noter, parce qu'on en parle souvent, les clubs qui ne veulent pas libérer les joueurs et ces clashs et tout. On a, nous, quand on suit quand même un peu la Ligue 1, on a des clubs qui se sont fait piller là, pour la CAN. Ouais. Et que ça peut avoir un impact sur la programmation des prochaines CAN, parce que là les clubs qui sont pillés, c'est plus des clubs comme avant qui jouaient le maintien, tout là on parle de l'OM, on parle de Monaco, on parle de Nice, que des clubs qui sont en train de jouer le titre. Croyez-moi que si sur la balance ils perdent beaucoup de points pendant cette CAN, ces clubs là à un moment donné, ça va monter au créneau. Ouais. Ouais. Les gars, on va passer directement au dernier petit jeu, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a monté un petit jeu pour que vous mouillez un petit peu les chroniqueurs. Il nous faut déjà un favori, un flop, une surprise et un outsider. Un favori, un flop, une surprise, un outsider. On a besoin que... vous vous mouillez, les gars, qui commence ? On en donne chacun un ? C'est ça, un par KT. Allez, je vais vous le mettre en bannière comme ça. Vous l'avez avec vous. Allez, mets-nous la bannière, je vais me lancer, si je peux me permettre. Vous me laissez me lancer ou pas ? Vas-y, Adlan, football. Allez, et je rajoute même le meilleur joueur et le meilleur buteur de la compétition. Ah ouais, carrément. Là, on est sur un exercice compliqué, Adlen. Adlen, normalement, bah... toi, t'es quelqu'un, tu sais rebondir. Le favori, allez, je vais dire que ça sera le pays organisateur, Côte d'Ivoire. Okay. Le Cameroun. Okay. La surprise. Sans hésiter, et je me mouille, l'Afrique du Sud. Ah oui, ouais, pas mal. L'outsider, l'Égypte. C'est vrai que ça me surprend parce qu'il y en a beaucoup qui les négligent un peu, alors qu'ils m'ont fait très très forte impression ces derniers matchs. Le meilleur joueur, je vais me baser sur la CAN 2019 et je vais dire... Shaibi. Ok. Et le meilleur buteur, j'espère Amoura. Ok. Merci. J'étais chauvin, les gars. On a vu pire. Hein. Tu vas voir, Nazim, qu'est-ce que c'est. Tu vas voir. Il y a la pression, là. Nazim, tu dois nous faire tout le tableau, mais que en 100% algérien. Non, c'est difficile. C'est franchement, je rigole, je rigole. Yanni, est-ce que tu te lances ? Ouais, y a pas de souci. Allez, le favori, je dirais comme Adlan, je dirais le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire. Ouais. Il avait dit. Ok. Si, Côte d'Ivoire, ouais. Pour le flop, je dirais le Sénégal. Mm-hmm.
Parce qu'on a, on a eu ces dernières années l'habitude de voir les équipes qui ont gagné le titre Ouais. flopper lors de la prochaine CAN, enfin dans la CAN après, tu vois. C'est Donc, je vrai. Et dirais en le plus, on Sénégal. sent quand même, c'est vrai qu'on sent en plus le Sénégal un peu plus fragile. Ouais. La surprise, je pourrais dire le Mali. Ouais. Ils ont une bonne équipe, ils peuvent faire la surprise. Comme on a vu le Madagascar aussi, dernièrement, ils ont réalisé une bonne Coupe d'Afrique en 2019. Y a quoi encore? Le meilleur buteur, c'est ça? C'est ça. À suite, c'est l'outsider. Ah, l'outsider, j'ai déjà dit. J'ai dit ah, j'ai pas dit l'outsider, Non, c'est c'était vrai. la surprise. Toi, c'était la surprise. Tu nous avais dit le Ouais, Mali. l'outsider. Le Burkina Faso, peut-être? Ok. Ouais. Meilleur joueur de la compétition. Meilleur joueur de la compétition, Amora. Je pense qu'il Ok. peut faire. Et meilleur buteur. Meilleur buteur. Slimani. Pour une dernière. T'avais dit qui, toi, Adlen? Amora. Ok. Dirais Slimani pour une Nazim? dernière. Ah, difficile, difficile, Bilal, mais je vais essayer de ne pas être chauvin là, du coup. Badoul en même temps, si tu vois ce que je veux dire. On va essayer d'user de ça. Hein, un autre ami Harit. Hein, Vrai. voilà. Alors. C'est vrai qu'il a mis une sacrée pression là avec Voilà, son écoute. commentaire. Écoute, on va nous aussi se prêter à l'exercice comme notre ami Harit. Je vais mettre le favori, même si pour moi aujourd'hui j'estime que c'est le favori, ce n'est pas forcément le pays organisateur. Je mettrai plutôt l'Égypte, de par sa consistance et par la maturité de cette équipe. Tu peux remettre la bannière, s'il te plaît, Bilal, pour que je puisse. Ouais. Voilà. Le flop, je dirais le Maroc. OK. Je pense peut-être que le Maroc va payer peut-être le contre-coup de la Coupe du Monde. On verra bien. La surprise, je dirais, j'hésite entre deux équipes, mais je dirais quand même que le Burkina Faso pourrait être une surprise, même si sur les 10 dernières CAN, effectivement, on considère que c'est une équipe qui est toujours là. Le Burkina, je pense qu'ils peuvent encore bien, bien nous surprendre cette année. Je les sens en tout cas affûtés. La bannière encore, s'il te plaît, Bilal. Donc, l'outsider, l'Afrique du Sud, plutôt l'Afrique du Sud, l'outsider. Plutôt dans ce OK. sens-là. Meilleur joueur, je dirais Mohamed Salah, si l'Égypte devait aller au bout, parce que pour moi, c'est un joueur qui est quand même, c'est un capitaine modèle pour moi. Et franchement, voilà, il porte son équipe et il peut vraiment aller loin. Et je le sens aussi très revanchard par rapport à il y a 2 ans. Et puis la dernière, c'était le Meilleur buteur. meilleur buteur. Je vais essayer de ne pas être chauvin encore une fois, mais difficile de parler d'une autre équipe que la nôtre. Même si offensivement, Belmadi a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit qu'il fallait être d'abord fort défensivement avant de parler de l'attaque. Donc ça me rappelle un peu 2019 et Bounedjah. Donc je ne vois pas un des nôtres être meilleur buteur, mais ouais, je parlerai peut-être d'Ennasseri du Maroc. Allez. Ok, merci à toi. Ok, moi il y a un joueur qui n'est pas sorti en meilleur buteur, ça me surprend. Hein. Ça me surprend, je le dirai peut-être après. Peut-être que Zahir va me. Attends, Zahir. Ah, il y a le son Zahir qui. Je vais te le donner ton meilleur buteur. On le fait en inversé. On commence Allez, par le meilleur vas-y. buteur. Franchement, tu. Osimhen. Allez. On est bon. Victor C'est bon, Osimhen, classe. meilleur Recoupe le micro, recoupe le micro, c'est bon. joueur. Zahir, 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 écoute bien ce que je te dis. Hein. Ouais. Boniface, il mettra plus de buts qu'Osimhen à cette CAN. Je te laisse Ouh. terminer. Ah, Je te laisse terminer. ensuite, je le fais en inverse. Le meilleur joueur, je vais mettre Attal pour l'ironie de l'histoire et du sport. Ensuite, affiche-moi les trucs, Bilal, tu me pièges au moment où je dois regarder. Excuse-moi, autant pour moi. Osimhen, Attal, meilleur joueur. Ok. Bon, je repars. Le favori. Le favori pour moi, je suis Allez. comme Azim, c'est l'Égypte. L'Égypte, ouais. Le flop. Ok. Ouais. En flop, moi, je mettrais la Tunisie. Ok. L'outsider, l'Afrique du Sud. Et la surprise, mettrait une équipe un peu plus,
un peu moins attendu, un truc comme le Cap-Vert. Une équipe un peu lusophone, un peu technique, tu vois. Ok, c'est vrai que le Cap-Vert, la dernière fois qu'on les avait affrontés, ils nous ont donné vraiment beaucoup de mal, beaucoup de fil à retordre, ouais. Merci les gars, merci au chat de participer autant. Ça va, c'était bien. Normalement, on n'avait pas le temps de faire ce petit jeu, mais bon, il fallait qu'on le fasse pour l'avant-canne. On finit vraiment, Nazim. Mince. Alors où je suis ? Ah ok. Ouf, ouais. Nazim, si on peut finir vraiment en 2 minutes rapidement, sur le Made in Algeria. Il y a surtout. La plus grosse info, c'était surtout le grand derby avec le spectacle qui était surtout en tribune, beaucoup plus que sur le terrain, pour ceux qui ont dû regarder 90 minutes. Et ensuite, il y a aussi le Serbe qui s'est imposé dans la difficulté contre Constantine. Parle-nous-en très rapidement pour conclure cette émission, Nazim, bismillah. Donc très rapidement, oui, donc effectivement, Bilal, il y a eu cette 11e journée de Ligue 1 qui a vu donc effectivement le big derby entre le MCA et l'USMA, enfin l'USMA plutôt, qui recevait le MCA, en présence du sélectionneur et de quelques joueurs présents au début du stage. Malheureusement, on est resté sur notre faim, et j'ai l'impression que ces dernières années, le derby se joue plutôt en tribune. Je pense que c'est un peu l'avis de tout le monde. Et encore une fois, on l'a vu, puisque malheureusement, le spectacle était quasiment absent du terrain. Vous m'entendez là ? Voilà. Oui, oui, très bien. Vous m'entendez ? Ouais. Oui, oui. Ah, je ne sais pas si, Ah, voilà. Donc, effectivement, le spectacle était quasiment absent du terrain, malheureusement. On a vu quelques escarmouches par-ci et par-là, mais dans un match très fermé, où je pense que les joueurs étaient peut-être plus impressionnés par ce qui se passait en tribune ou spectateurs, plutôt que ce qu'ils devaient faire sur le terrain, parce que c'était eux les acteurs. Donc, malheureusement, voilà. Ça a été quand même un match assez haché, assez insipide, hein, pour ne pas dire autre chose. Le CRB, lui, a battu le CSC 2-1, avec un Bolhi quand même qui, je trouve, reprend quelques couleurs petit à petit. Ce n'est pas le Bolhi qu'on a connu auparavant, mais j'estime quand même que sur ce match-là, il a fait 2 ou 3 arrêts, 2 belles parades face à une très bonne équipe du CSC, qui aurait pu, je pense, arracher au moins un match nul, compte tenu des débats. Et puis, pour résumer, cette 11e journée n'a pas connu de grosses surprises. À part le match Jeskal Bayeux a été reporté. Et pour info, le match retard Bayeux CRB du 6 a été reporté également pour laisser le soin à cette équipe de Bayeux de reprendre un peu son souffle et ses esprits après la tragédie qui a terriblement frappé cette équipe. Et encore une fois, on dit Allah irhamhum au gardien de but et à l'entraîneur adjoint. Et Inch'Allah, Rabbi Shfi ga les blessés. Khanchlak a battu Chlef 2-1. Le Paradou accroché par la Saoura 0-0. Magra qui a battu Wetsouf, la lanterne rouge, 1-0. Sétif qui a battu le MCO 1-0 avec un pénalty qui a plutôt prêté à confusion au cours de ce match, mais qui confirme surtout que le MCO va très mal en ce début de saison. Et puis Biskra qui a été accroché par l'étonnante équipe de Ben Aknoun, 1-1. Donc en global, ce résultat nul quand même du MCA lui permet d'être toujours devant avec 9 points d'avance sur la Saoura. Rendez-vous compte, 9 points d'avance après 11 matchs. Et puis on a Sétif qui est 3e, accroché, solide 3e, sans convaincre au niveau du jeu. Et le CSC qui est 4e en compagnie du CRB, mais le CRB qui compte 3 matchs retard. En bas de classement, eh ben, l'USMA souffre en ce début de saison, parallèlement avec un super parcours en Coupe d'Afrique. L'USMA le paye très cher en championnat, 8 points seulement en 8 matchs. Donc l'USMA est en mauvaise posture. Le MCO qui est en très mauvaise posture avec 6 points en 9 matchs, 14e. Et l'avenir de Madoui s'inscrit en pointillé. Et puis les deux derniers, c'est toujours l'US Ben Aknoun et l'Union de Souf, qui malheureusement ferme la marche avec 4 points et qui ont du mal encore une fois à s'adapter au rythme de la première ligue. Voilà mon cher Bilal. Nazim, tu as été magnifique. Magnifique. Très bien. Pour cette Nazim, tu as oublié de souligner quelque chose quand même. J'aimerais le souligner moi. Oui. amateur du foot local, l'USMA, au même titre que le GC Nice, est le club le plus représenté en équipe nationale dans notre sélection pendant la CAN. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et avec un point commun, c'est le rouge et noir, Adler. Exactement. C'est vrai, une bonne conclusion, les gars. Merci à vous. Les frères, merci à tous de nous avoir suivis. Yanni, au nom de tout le monde, hein, merci de nous avoir sauvés de cet invité avec un invité de classe. Tu remercieras encore Charles pour nous. Il a été content. Il était content. Il a kiffé l'émission. Il m'a dit « je reviens ».
Avec plaisir. Ah, machallah, la princesse. Salam alaikum. Capitaine de l'équipe nationale U12 de l'Algérie. À la canne, à la canne, à U8. Elle est surclassée. On vous présente la prochaine chroniqueuse, Inch'Allah. Il y aura bientôt le football féminin. Merci les gars, merci pour cette émission. Adlène, le retour 2024. On t'attend, il y a une grosse canne qui arrive. Les gars, il y a une grosse canne. Je sais que vous êtes prêts. Il y a de nouvelles émissions qui vont voir le jour, Inch'Allah. On est en train de s'organiser pour couvrir cette canne de la meilleure des manières. Yanni, merci à toi pour cette première. Nazim, toujours présent, même malgré les bouchons, malgré les péripéties, toujours présent. Il est là. On essaie, Bilal, on essaie. Zahir, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Zahir? Il est présent au bureau, il est présent en famille, il est présent au bled, en vacances. La force tranquille. Mashallah. Merci à Taïm aussi, Samir et Taïm Restaurant. Merci à Samir, bien sûr. Bien sûr, un grand merci à Samir. On était chez lui il y a quelques semaines. Merci à toi, Bilal, bien sûr. Et Adlanou, merci à toute l'équipe de la Gazette, du Fennec et de C'est vous l'expert, tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qui nous aident quotidiennement à mettre en place cette émission. Et tout le monde. Exactement. Hamza qui est souvent en backup aussi. Et merci aux auditeurs. N'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis, de commenter. Et puis à très bientôt. Et on souhaite, Inch'Allah, une année remplie de succès, de bonheur pour Inch'Allah. Tout le monde, Inch'Allah, bon. Et bien sûr pour notre équipe nationale. Surtout ça. Et bien sûr, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, les gars. Salam alaikum. Salam. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Salam. Salam. Salam.